enregistrement des principales indications. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on cote les événements respiratoires, les principaux principes de cotation, le compte-rendu type d'une polygraphie. Donc voilà la première partie qui sera faite par M. Elbiaz. Et puis moi, dans un deuxième temps, nous allons avoir quelques tracés, quelques difficultés de tracés à interpréter et voir un petit peu quand même la difficulté et l'art de notre pratique. Monsieur Elbia, je suis ravi de vous voir à cette occasion et de partager ce moment avec vous. C'est un grand honneur que je vous rencontre pour la première fois. Donc, la Société marocaine de maladies respiratoires nous a permis de se rencontrer et aussi pour éventuellement renouer des relations concernant le sommeil et la pathologie du sommeil. Donc, je pense. Eh bien, je l'espère. Oui, Inch'Allah. Est-ce qu'on commence? Professeur Biaz, vous pouvez commencer. Professeur Hammi a un petit problème de connexion. Il va vous rejoindre en cours de route. Allez-y. Enfin, j'étais la première, mais finalement, il y avait un problème technique. Il est encore vivante. Hein. On va essayer de rattraper la chose, Inch'Allah. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à ce premier atelier organisé par la SMMR. Je me présente, je suis professeur Hamid Sana, professeur agrégé en pneumologie, allergopathologie du sommeil. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet atelier qui fait suite à une série de conférences remarquablement réussies depuis le début de la matinée, organisées par notre société marocaine de SMMR, la Société marocaine de maladies respiratoires. Qui ne cesse d'ailleurs de parfaire son contenu pédagogique et scientifique pour le développement de la pneumologie au Maroc, avec une richesse, une diversité des thèmes, une pertinence de choix de sujets débattus. Alors, comme vous savez, chère assistance, la pathologie du sommeil continue à occuper un intérêt croissant de la part des sociétés savantes, vu son impact sur la santé publique et vu sa transversalité, qui explique d'ailleurs son implication dans différents mécanismes physiopathologiques, de pathologies cardiovasculaires, métaboliques, endocriniennes et respiratoires. Alors, pour cela, aujourd'hui, on va, à travers cet atelier, s'attaquer aux moyens objectifs de diagnostic des pathologies de sommeil, c'est-à-dire, de façon précise, l'interprétation des enregistrements de sommeil. Et je tâcherai à présider cet atelier qui sera co-animé par deux grands orateurs de renommée, référents dans le domaine du sommeil, à savoir professeur Biaz, enseignant à la faculté de médecine de Fès et directeur du centre universitaire de médecine sommeil CHU de Fès, et docteur Franck Soyez, pneumologue libéral spécialiste dans le sommeil. C'est un secrétaire général aux relations internationales de la SPLF et membre du comité de pilotage de l'espace francophone de pneumologie. Alors, concernant le déroulé de cet atelier, alors nous allons dans un premier temps, vu que c'est difficile en virtuel de canaliser l'interactivité des différents intervenants, on va essayer, si vous voulez bien, dans un premier temps, assister à l'exposé de nos orateurs, et dans un deuxième temps, on va essayer d'asseoir un échange et un partage à travers des questions-réponses, en activant bien sûr la rubrique questions-réponses et discussions. Et je tâcherai à converger les différentes questions pour répondre aux questionnements de l'assistance. Raison pour laquelle j'invite l'assistant de bien vouloir tout au long de l'exposé poster les questions pour pouvoir justement solliciter l'interactivité. Alors, sans trop tarder, donc je donne la parole à professeur Biaz et docteur Soyez pour pouvoir débattre cette thématique relative à l'interprétation des enregistrements du sommeil. À vous la parole, professeur Biaz. Merci, professeur Hamid, pour cette introduction. Je remercie la Société marocaine des maladies respiratoires de m'avoir invité pour participer, parler encore du sommeil, cette partie de notre vie. On passe un tiers de notre vie à dormir, un tiers à travailler, un tiers dans l'adolescence. Et donc, ce tiers de vie est sujet à des troubles et des pathologies, et c'est pourquoi il y a cette pathologie, cette médecine de sommeil. Et donc, c'est un grand honneur que je vais co-animer avec
collaborateur, M. Soyez, donc, pour lequel je souhaite la bienvenue. En réalité, on s'est déjà partagé la tâche pour parler, diviser l'atelier en deux parties et laisser une partie pour les questions. Donc, la première partie que je vais aborder sans tarder, c'est une partie qui va nous permettre de s'introduire dans les... Pourquoi au lieu de parler d'interprétation d'un enregistrement de sommet, on va l'appeler initiation à l'interprétation d'un enregistrement de sommet, parce qu'on ne peut pas parler de tous les enregistrements du sommet dans une... Et donc, on va cibler surtout un enregistrement qui est le plus fréquemment utilisé, qui a le plus d'apport en pratique aussi bien hospitalière que libérale, c'est la polygraphie ventilatoire. Donc, je vais partager mon écran. Donc, j'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que l'écran est visible, cher ami? Oui, c'est visible, mais lancez le mode diapo. Ça, c'est le mode lecture. Oui, exactement, oui, vous lancez le mode diaporama, professeur Biès. Voilà, je vais voir. Ça va? C'est bon, maintenant c'est OK. Bon. À vous la parole. Oui, donc là, les enjeux de sommet, c'est en pratique de courante de la pathologie de sommet, on a deux plaintes majeures. On a la plainte nocturne qui concerne l'insomnie et la plainte diurne qui concerne ce qu'on appelle la somnolence diurne. Pour ce qui concerne dans cette partie de l'atelier, on ne va pas parler de cette insomnie. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'insomnie de maintien, qui est aussi une cause de ce qu'on appelle la dernière obstacle du sommeil. Mais principalement, le motif de consultation concernant le sommeil pour la pathologie importante de l'exécution de l'apnée par obstruction du sommeil, c'est la somnolence urinaire excessive. Donc, pour avoir cette somnolence urinaire excessive, en réalité, ça entre dans le cadre concernant le syndrome d'apnée par obstruction du sommeil, dans le cadre ce qu'on appelle les troubles respiratoires au cours du sommeil. Et donc, ce trouble respiratoire au cours du sommeil, dans ce schéma, vous voyez la lune et vous voyez le soleil. Donc, tout ce qui est nocturne, purement nocturne, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas et il y a en plus des conséquences graves sur, à long terme, chez les individus. Et ce qui fait la transversalité de la pathologie du sommeil, c'est les étiologies apnées du sommeil et particulièrement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais il n'y a pas que le SAUS, mais ce sont des SAS. Ces syndromes d'apnée de sommeil peuvent être centrales, elles peuvent être combinées, c'est-à-dire qu'ils contiennent les deux, les apnées obstructives et les apnées centrales, et on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome des résistances des voies aériennes supérieures. Mais à côté de ça, il y a d'autres troubles respiratoires du sommeil, particulièrement tout ce qui concerne les hypoventilations. Les hypoventilations, en résumé, ce sont les étiologies des insuffisances respiratoires chroniques. Donc, vous avez les étiologies restrictives, vous avez les étiologies obstructives, et ces hypoventilations, lorsqu'ils vont commencer à se manifester, les premières manifestations vont en réalité commencer au niveau du sommet, c'est les fameuses désaturations nocturnes qu'on notait auparavant, et qui constituaient parfois, on mélangeait parfois, et on l'appelait l'overlap syndrome pour la VPCO. Donc, c'est des saturations nocturnes en absolu et qui constituent les hypoventilations qui peuvent être au début nocturnes pour passer après pour devenir. Et donc, si vous permettez, professeur Biès, si c'est possible de vous rapprocher du micro parce qu'on entend des échos de son. Oui, il y a des échos. Non, il y a bon. C'est pas un problème de. Non. Vous entendez? Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend bien. Oui. D'accord. Alors, voilà. Donc,
Pour ces étiologies apnéiques, on se trouve devant un secteur de syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, vous avez le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais vous avez aussi le syndrome d'apnée centrale du sommeil. Vous avez le syndrome d'apnée combiné. Et donc, vous voyez ici en couleur la part de ce qui est en orange, la part qui est obstructive. Et donc, en réalité, lorsque ce n'est pas toujours qu'on va avoir des syndromes d'apnée obstructive purs, vous aurez toujours un peu de centre associé, un peu de mix associé, surtout pour les syndromes d'apnée obstructive du sommeil scalaire. Donc, pour faire attention, donc on va voir qu'il faut connaître aussi ces apnées et ces événements respiratoires apnéiques non obstructifs parce qu'ils font tenir compte de la prise en charge. Donc, l'objectif de, en réalité de l'enregistrement de sommeil en pratique courante actuellement, et en pratique courante, c'est surtout, on pense à ce syndrome, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Je ne vais pas tarder pour rappeler. C'est une maladie chronique, bien sûr, puisque ça revient tout le long de la vie de la personne. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a plus ou moins de sommeil. Et donc, on ne voit rien la journée, on ne voit que les conséquences. Et il est défini par la répétition uniquement pendant le sommeil d'événements respiratoires anormaux, courts et répétés. C'est quoi ces événements? Ce sont soit un arrêt total du flux respiratoire, on va l'appeler flux nasal, parce qu'on va détecter ça au niveau du nez, soit un arrêt partiel, et on va parler d'hypopnée, hypopnée qui va poser le problème de sa définition. Donc, cet arrêt du flux aérien qu'on va détecter au niveau nasal, malgré les efforts respiratoires persistants, et donc il est important qu'on sache est-ce que le patient, la personne continue à faire des efforts respiratoires au cours de ces événements, et ça va aussi faire l'objet d'une partie pour savoir comment on va savoir que le patient continue à faire des efforts respiratoires, c'est-à-dire que le diaphragme continue à fonctionner, si on peut dire. Donc ces événements vont s'accompagner de conséquences qui sont des conséquences indirectes qui vont nous dire qu'il y a un événement, soit une désaturation, soit un micro-événement. Et ces micro-événements, ce qu'on appelle une fragmentation du sommeil et une saturation relative, ce n'est pas une saturation, ce n'est pas une chute en valeur absolue, mais c'est des variations des chiffres de saturation, et vont être responsables d'une conséquence intermittente. Et donc, cliniquement, ce qu'on peut être responsable, si une clinique dure et nocturne, on a dit que le syndrome, la somnolence dure excessive, est le symptôme principal et même le symptôme qui va nous conditionner parfois le traitement de l'indication thérapeutique du syndrome. Donc, en résumé, c'est ça le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Tout se passe au niveau du pharynx. Je ne vais pas tarder comme tout ça. Donc, il y a des causes anatomiques. Il y a aussi des causes fonctionnelles, en particulier le problème de la collapsibilité pharyngée. Mais ça se passe au niveau du pharynx. Et donc, la personne qui va avoir le syndrome d'apnée obstructive du sommeil va dormir. Il va commencer, parce qu'il va entrer en sommeil, il va commencer à présenter ses événements, apnée ou hypopnée, tout en continuant à faire un effort respiratoire qui va occasionner, cette apnée ou hypopnée, va entraîner comme conséquence une désaturation du brevet. Et lors de la reprise après l'événement, qui va être annoncée souvent par un renouvellement, et le patient va reprendre le sommeil. Et en reprenant le sommeil, on entre dans un cercle vicieux d'événements répétés, d'événements apniques et de leurs conséquences. Et donc, ces événements apniques, sont leur degré est conditionné par la collapsibilité pharyngée. Vous voyez dans ce schéma-là, différents degrés de collapsus du pharynx. Et pour chaque degré, vous avez un degré de chute du flux nasal. Et donc là, par exemple, une personne normale avec un calibre normal du pharynx, il n'y a pas de problème. Donc, le flux nasal, il est respecté. Inspiration, expiration, pas de problème. Et l'effort respiratoire, il est normal. Il n'y a pas de problème. Saturation reste absolue, il est normal. Par contre, lorsqu'il va présenter une réduction du calibre du pharynx, vous aurez ce qu'on appelle l'équivalent de la résistance des voies aériennes qu'on trouve dans le... lorsqu'on veut diagnostiquer en spirométrie une résistance des voies aériennes supérieures par un obstacle, on cherche un plateau. Donc ici, vous avez des plateaux inspiratoires qui nous disent qu'il y a une résistance des voies aériennes supérieures, mais il n'y a pas de chute
évidente du flux nasal. Mais par contre, l'effort respiratoire, il s'accentue. Et pour le mesurer réellement, cet effort respiratoire, il n'y a pas mieux que le gold standard qui est la mesure de la pression œsophagienne. C'est-à-dire on devrait poser dans les centres qui font ça, on devrait poser une sonde qui nous permet de mesurer la pression œsophagienne qui devrait chuter au cours de l'effort, l'accentuation de l'effort respiratoire. Et lorsqu'on a que ça, on a que ces plateaux-là avec l'effort, on va ce qu'on appelle le syndrome de la pression vivante et moyenne supérieure. Bien sûr, ces syndromes de ces événements n'ont pas obligatoirement des conséquences sur la saturation, mais ils ont des conséquences sur les micro-EV et les EV courts, qu'on appelle les micro-EV, qui devraient être diagnostiqués par un enregistrement du sommeil. Et ça ne peut se faire qu'avec la police standard. Si vous avez avec un degré de plus, vous avez une vraie chute du flux nasal. Là, vous aurez différents degrés de chute, 30%, 50%. Et là, c'est le problème de définition. On parle du problème de définition des hypopnées qui vont poser des problèmes. L'idéal, toujours comme j'ai dit, pour évaluer l'effort respiratoire, c'est la pression œsophagienne. Mais on va voir qu'il y a des moyens directs pour l'évaluer. Et bien sûr, ces hypopnées peuvent se terminer par des saturations, comme ils ne peuvent pas se terminer par des saturations, ils se terminent uniquement par des micro-EV. Et puis vous avez les apnées, c'est-à-dire un arrêt total. Lorsqu'on dit arrêt total, c'est-à-dire quand on accède parfois 90% de chute du flux nasal. Et là, vous avez vraiment une pression négative importante dans le thorax. Et vous imaginez le retentissement sur le système cardiovasculaire avec ces apnées-là, surtout s'ils durent dans le temps. Et donc, vous avez en plus, ils vont s'accompagner des saturations aussi et des micro-EV. Donc ça, ce sont les différents degrés de ces événements-là qu'on va essayer de diagnostiquer, qu'on va essayer de diagnostiquer l'effort respiratoire qui les accompagne, et on va essayer de diagnostiquer les conséquences, en particulier de la saturation et les micro-EV. Donc, pour diagnostiquer tout ça, on a besoin de capteurs. Par exemple, ici, pour le flux nasal, voilà un capteur, c'est le flux nasal. Pour capter, on a le saturomètre pour l'oxygène. On a ce qu'on appelle la thermistance, qui est une évaluation indirecte de la température inspirée, expirée, du bout du nez ou de la bouche. C'est une évaluation indirecte du flux nasal, mais on va pas l'utiliser. Oui. Je m'excuse si je vous interromps. Il y a un souci de qualité de son. Si vous voulez vous rapprocher un petit peu du micro, parce qu'il y a des échos, on entend du son doublement. Vous m'entendez? Oui, il y a toujours l'écho. Ah, justement, donc, s'il y a possibilité d'utiliser un casque ou bien juste vous rapprocher du micro, ce sera mieux. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Oui. C'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord. Merci beaucoup. Là, je reviens. Voilà. Donc là, je parlais des capteurs qui vont me permettre de détecter tous ces événements-là. Mode diapo, s'il vous plaît. Pardon? Passez au mode diapo. Ah, le mode diapo, oui. Mode diapo, voilà. Donc là, les thermistances, on en a parlé. Puis, on a pour détecter l'effort respiratoire, on a ce qu'on appelle les sangles abdominales et thoraciques. Et bien sûr, si c'est possible d'utiliser les sondes œsophagiennes, mais en pratique courante, on ne peut pas les faire. C'est surtout pour les centres hospitaliers. Et pour éventuellement
dans un cadre de polysomnographie avancée. Et puis, vous avez le microphone pour détecter quand les renflements. C'est grossièrement, ce sont les capteurs qu'on va utiliser pour détecter ces événements-là. Et ces capteurs-là vont aboutir à différents types d'enregistrements. Donc là, vous avez un patient chez qui on a branché la polysomnographie. Et donc, on est en train de mettre le filet pour le G, les capteurs du sommeil, ici. Et là, vous voyez un patient chez qui on met les sangles abdominales. Donc là, les sangles abdominales qui vont détecter l'effort respiratoire. Donc ça, c'est un enregistrement. On est en train de préparer un enregistrement de polysomnographie chez ces patients-là. Et donc, ces différents types de capteurs vont nous aboutir à plusieurs types d'enregistrements. Le minimal dans l'enregistrement, c'est l'oxymétrie nocturne. Donc, l'oxymétrie nocturne n'a pas d'intérêt pour le diagnostic du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais par contre, il a un grand intérêt dans le suivi des insuffisants respiratoires chroniques et pour détecter les hypoventilations nocturnes et leur suivi si on paie les patients sous ventilation non invasive. Donc, ils sont intéressants dans ce sens-là. Mais par contre, ils ne sont pas validés pour diagnostiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le deuxième niveau, c'est la polygraphie ventilatoire. C'est un examen ambulatoire. Et donc là, vous voyez un patient chez qui on a branché la polygraphie. Vous avez les lunettes nasales. Vous avez, normalement, on devrait mettre ici le microphone. Vous avez ici les sangles thoraciques, la sangle abdominale, le saturomètre et le capteur de position qui devrait exister quelque part ici en arrière du boîtier qui enregistre. Donc, l'enregistrement est fait dans ce boîtier-là et puis on va le capter après, le récupérer après au niveau de l'ordinateur avec un logiciel qui va lire et nous donner le tracé qui a été enregistré. Ça, c'est la polygraphie ventilatoire et c'est l'examen le basique qui va nous permettre de diagnostiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et éventuellement les hypoventilations nocturnes qui sont associées. Si on y ajoute le sommeil, ce sommeil qui manque dans la polygraphie, on n'est plus dans la polygraphie, on est dans la polysomnographie qui comporte aussi d'autres branchements. En particulier, on peut brancher les jambiers, donc les MG des jambiers. On peut faire de la vidéo pour faire de la vidéo polysomnographie. Et donc là, ce patient-là, il a plutôt on peut faire une polysomnographie ambulatoire. Donc là, c'est un enregistrement à minima dans lequel on ne va pas faire les jambiers, on va faire le sommet, plus ou moins la polygraphie ventilatoire avec le sommet. Mais en hospitalier, ça c'est notre premier malade, je garde l'image de notre premier malade. Donc dans la vidéopolysomnographie, vous avez un caméra infrarouge en plus, vous avez une tétière qui est complète avec toutes les données. Et donc là, c'est plutôt en hospitalier. Et on ne peut pas avoir une idée, on ne peut pas l'utiliser de manière courante, en pratique courante, puisque même si on devait le faire, vous aurez des rendez-vous, on a des rendez-vous pour des mois, et pas, donc c'est difficile de l'utiliser en pratique courante. Et donc voilà, le patient il dort dans une chambre, il y a une station d'acquisition, et on récupère ça dans une salle d'acquisition des données. Et donc c'est ça la polysomnographie chez. C'est très différent de la polygraphie. Dans la polygraphie, voilà qu'est-ce qu'on va obtenir dans une polygraphie ventilatoire. Vous allez obtenir des tracés. Ici, vous avez le flux nasal. Ici, vous avez les sangles thoraciques, les mouvements du thorax, les mouvements de l'abdomen. Vous avez la saturation artérielle en oxygène et vous avez la fréquence cardiaque, la position. Donc, globalement, c'est les éléments les plus importants dans la polygraphie ventilatoire. Et ici, vous avez les différents événements dans le flux nasal. On voit qu'il y a des différents événements. Donc, par exemple, ici, on a un arrêt du flux nasal qui dure 10 secondes. Ici, il dure 16 secondes. Et donc, c'est une apnée. Ici, il y a une réduction. On va parler d'hypopnée, mais ça va poser problème après, puisqu'il nous faut une définition. Il faut répondre à certaines définitions pour qu'on dise qu'il est hypopnée. Par contre, dans une polysomnographie, vous aurez beaucoup de choses. Donc, vous aurez tout d'abord l'EEG, donc les dérivations du cerveau, donc l'activité électrique cérébrale, l'électrooculogramme, vous avez l'électromyogramme Montagnier qui est important pour diagnostiquer le REM,
pour évaluer le son est paradoxal. Vous avez le flux nasal, vous avez la thermistance, vous avez les mouvements abdominothoraciques, vous avez les microphones pour les renflements, et vous avez aussi l'évaluation de ce qu'on appelle l'onde de pouls, la position du patient, les jambiers pour détecter les mouvements périodiques de jambes. Et donc, vous avez une évaluation, vous voyez ici le stade de sommeil. Et donc, ça, c'est une tracée de polysomnographie sur une époque de 5 minutes. Donc, lorsqu'on veut scorer les événements respiratoires, on utilise des époques de 5 minutes pour commencer à scorer. Les avantages et les inconvénients de la polygraphie ventilatoire, tout d'abord, c'est ambulatoire, la polygraphie ventilatoire. Il y a une facilité de branchement, c'est plus difficile de brancher une polysomnographie puisque vous avez le G, le MG, et tout ça, ça pose plus de problèmes dans le branchement. On réduit les délais diagnostiques parce qu'on a des rendez-vous très longs avec la polysomnographie. Et la lecture, elle est plus facile, elle nécessite moins d'entraînement et elle est moins chronophage que la lecture des polysomnographies. Mais, un grand mais, c'est qu'il n'y a pas de sommeil. Donc, on ne sait pas est-ce que la personne a dormi ou n'a pas dormi. Et puis, on laisse échapper éventuellement d'autres troubles du sommeil non diagnostiqués associés au diagnostic qu'on cherche le plus, qui est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et puis, vous avez le problème des hypopnées dans lesquelles on inclut un élément important, en particulier la définition de l'ASM, donc l'American Academy of Sleep Medicine de 2012, où on exige qu'il y ait une conséquence du signal de débit. Et on parle de micro-EV ou de saturation. C'est-à-dire, si vous trouvez des chutes de flux dans la polygraphie et qu'il n'y a rien qui l'accompagne, vous n'avez pas le droit de la scorer puisque vous n'avez pas de conséquences. Et ça va poser des problèmes parce qu'on risque de sous-diagnostiquer soit le SAUS, soit de sous-évaluer sa sévérité. Et donc, le sommeil, pourquoi il est important? Tout simplement parce que pour diagnostiquer le SAUS, évaluer sa sévérité, on a besoin d'un paramètre qui s'appelle l'index d'apnée-hypopnée. Cet index d'apnée-hypopnée, c'est quoi? C'est le nombre d'apnées plus le nombre d'hypopnées au cours du sommeil. Donc, ça, c'est un élément très important. Lorsqu'on a une polygraphie, on ne sait pas est-ce que la personne a dormi au cours de toute la nuit ou de tout l'enregistrement ou non. Sur de la durée du sommeil, et la même chose, on ne sait pas combien il a dormi. Et donc, ça va poser problème pour évaluer. Bien sûr, il n'y aura pas grand problème lorsque le SAUS est très sévère, mais lorsqu'on est dans le SAUS limite, dans la sévérité, ça va poser problème. Pour scorer les micro-EV qui sont intégrés dans les définitions des hypopnées, il y a un problème parce qu'on n'a pas encore le sommeil. Les micro-EV, on peut les scorer qu'avec la polysomnographie. Il y a des alternatives qui ont essayé d'accompagner le sommet du celui qui est sous polygraphie ventilatoire. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, savoir quand est-ce qu'elle a commencé le sommet, plus ou moins, avec quelques erreurs, et quand est-ce qu'elle s'est réveillée. Avec des polygraphes, il y a un déclenchement manuel, mais on ne sait pas, on ne pourra pas évaluer les réveils intra-enregistrement. Il y a aussi la possibilité d'associer une altimétrie pour savoir éventuellement est-ce qu'elle a dormi grossièrement. Et bien sûr, il y a des mini, si on veut dire, des mini polysomnographies, c'est-à-dire qu'au lieu de brancher toute la polysomnographie, on utilise un canal ou trois canaux maximum pour évaluer le sommeil du patient. Bien sûr, avec toujours un risque d'erreur plus important, puisqu'il n'y a pas toutes les données, il n'y a pas l'électrooculogramme, il n'y a pas de l'EMG. Globalement, c'est pour savoir si la personne a dormi ou n'a pas dormi. Mais le gold standard pour le diagnostic, c'est la polysomnographie. Et donc, d'emblée, on devrait indiquer la polysomnographie dans certains cas. On n'a pas besoin d'aller vers la polygraphie pour revenir. Lorsqu'on suspecte un trouble non respiratoire du sommeil, il n'y a pas de raison de faire de la polygraphie. Il faut faire obligatoirement la polysomnographie. Particulièrement les patients qui ont des problèmes d'insomnie non dormition, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont dormir. Et donc, il y aura toujours un problème pour évaluer le sommeil. Les patients qui ont très mauvaise hygiène de sommeil, il faut la polysomnographie. Les patients qui ont des syndromes de jambes sans repos comme motif principal, et donc on cherche plutôt les mouvements périodiques de jambes, et donc un autre problème de sommeil. Les patients qui ont des sommeils agités, donc on suspecte des mouvements périodiques de jambes.
ou on suspecte une autre cause de somnolence diurne excessive comme les troubles du rythme circadien ou narcolepsie. Sinon, lorsqu'on n'a pas ça et qu'on n'a que des somnolences, par exemple, diurne excessive, éventuellement avec renflement, chez quelqu'un qui est obèse, par exemple, ou qui a une morphologie évidente comme un rétrognathisme, ou bien qui est envoyé par quelqu'un parce qu'il a une complication du syndrome d'apnée obstructive du sommeil comme une complication cardiovasculaire. Donc là, on peut commencer d'emblée par la polygraphie ventilatoire, et c'est là, ce qui est plus courant en pratique courante. Donc une fois qu'on a indiqué la polygraphie ventilatoire, on a besoin de scorer et de diagnostiquer notre trouble respiratoire du sommeil. Et pour ça, il y a des recommandations. Il y a des recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine qui sont mises à jour régulièrement. Et nous, on utilise jusqu'à maintenant, on continue à utiliser la mise à jour de 2012 concernant les événements respiratoires particulièrement et concernant certaines pathologies du sommeil. Et ces recommandations sont utilisées pour diagnostiquer le SAS et aussi pour évaluer la sévérité du SAS, parce que c'est la sévérité qui va nous permettre d'indiquer ou non une thérapeutique. Donc, des règles principales de scoring en polygraphie ventilatoire. Tout d'abord, comme on a peu de sommeil, on essaie quand même d'avoir une évaluation subjective du sommeil, soit par un questionnaire avant l'enregistrement et après l'enregistrement, ou bien utiliser éventuellement une méthode alternative si on a la possibilité de le faire. Puis vous avez l'obligation de scorer manuellement votre tracé avec des époques de scoring de 5 minutes. Donc le scoring automatique n'est pas valide et donc obligatoirement exiger un scoring manuel. Il ne faut pas accepter de rapport si on ne précise pas qu'on a fait un scoring manuel. On peut toujours savoir que le scoring manuel n'a pas été fait en lisant le tracé. Et donc, il faut avoir un scoring manuel avec le tracé. Pour scorer les événements apniques, hypopniques, on exige une durée de chute du flux nasal d'au moins 10 secondes. Et le pourcentage de chute de flux dans l'hypopnée, il a évolué dans le temps selon les recommandations avec plusieurs variations. On est actuellement à 30% dans les recommandations de l'AMS, ACM 2012, donc à 30%, une chute de 30%, mais qui doit s'accompagner d'une désaturation et ou d'un micro-EV. Dans d'anciennes définitions, et éventuellement dans les anciennes définitions françaises, on se suffisait de chute, s'il y a une chute de 50%, on n'exigeait pas de conséquences, on n'exigeait pas de conséquences comme désaturation au micro-EV. Donc, il faut obligatoirement évaluer le caractère obstructif. On ne peut pas mettre syndrome d'apnée obstructive du sommeil et on n'a pas scoré les événements en obstructif. Et donc, il faut évaluer le caractère obstructif. Bien sûr, ce n'est pas la pression œsophagienne. Et donc, on va se baser sur les sangles et sur les renflements éventuellement et l'aspect des flux nasales. Et bien sûr, comme critère aussi, pour juger une hypopnée. L'apnée, on n'a pas besoin de ce critère, puisqu'il suffit qu'il y ait une apnée pour la scorer. Et donc, la désaturation relative minimale pour scorer une hypopnée, c'est de 3%. Donc, auparavant, dans certaines définitions, c'était 4%. Donc, voilà comment on... Voilà quelqu'un qui est en live, donc, qui est en train de faire son apnée. Donc, vous voyez ici le patient, il est branché, il a la thermostat, il est le G. Et vous voyez ici le flux nasal. Donc, voilà le flux nasal. Voilà, il est là, vous avez une apnée qui dure pratiquement. Professeur Biaz, il n'y a pas de synchronisation entre l'interprétation et la diapositive. Vous ne voyez pas le film Non, on ne voit pas le film, justement. Et ce sera toujours intéressant de oui, je ne sais pas comment faire. Le chronomètre. Voilà, alors regardez. Professeur Biaz, on est au tiers du temps. Non, c'est pas. C'est toujours figé l'image qui montre la polysomnographie hospitalière. D'accord, on laisse ça. Donc, je vais pas... Si on a le temps après, on le montrera. D'accord. D'accord. Ouais.
peut laisser à la fin, professeur Buyez, comme ça on ne déborde pas sur le temps. Mais c'est juste. On est à 38 minutes passées déjà. Parce qu'on a 50 minutes, j'ai 50 minutes pour ça. Donc on prévoit 50 minutes. D'accord. Donc là, la polygraphie ventilatoire doit comporter au minimum 6 heures donc, d'enregistrement. Bien sûr, on ne sait pas ce que la personne a dormi dans ces 6 heures-là. Donc là. Donc voilà, on va voir maintenant comment on va scorer les événements. Donc vous voyez ici, dans ce tracé de polygraphie, vous voyez le patient, il respire ici, et il y a une réduction du flux ici, donc il y a pratiquement de 30%, et qui a duré ici 14 secondes, et puis il a repris. Donc là, c'est une réduction, c'est l'équivalent d'une hypopnée, mais malheureusement, ici, on n'a pas d'événement de conséquence, on n'a pas de désaturation. Par contre, si on voit ça, cet événement-là, où il y a une chute plus importante, c'est une hypopnée, puisque vous avez une désaturation qui suit après. La même chose ici, c'est une hypopnée avec une désaturation qui suit, une hypopnée avec une désaturation qui suit. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des événements qui ont échappé. Donc, ils peuvent échapper parce que le scoring manuel n'a pas été fait, ou bien ils peuvent échapper parce qu'ils ne répondent pas à la définition exacte qui est le fait d'être suivi par une conséquence, soit un micro-réveil ou une désaturation. Et donc, typiquement, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez, voilà, quelqu'un qui respire ici, donc là, dans un tracé de polysomnographie, vous aurez en plus une micro-réveil ici. Dans un tracé de polygraphie, vous n'aurez que ça, vous aurez le flux nasal, voilà, il respire, il fait une apnée, voilà, une grande apnée, pratiquement une minute et quelques, et cette apnée-là, il est suivi d'une reprise, il est suivi d'une désaturation, ce sont les conséquences, et on voit que les efforts respiratoires continuent au niveau des sangles thoraciques abdominales, donc il y a une persistance des efforts, et ce qu'on constate, que dans ces efforts-là, on est ce qu'on appelle en opposition de phase. Les cycles sont en opposition de phase. Et puis, on a après le renflement. Ces éléments-là témoignent sont des preuves qu'il existe une obstruction. Parmi les preuves de l'obstruction aussi, ce qu'on appelle la chute de l'onde de peau. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est une onde de peau après. Et là, ça, c'est une apnée, il y a un rétotant. Mais dans les hypopnées, dans l'apnée, on n'a pas besoin de ces éléments-là, de la désaturation ou du micro-effet pour dire qu'il y a une apnée. Par contre, si on a une hypopnée, on a besoin obligatoirement d'une désaturation ou d'un micro-effet. Le caractère obstructif est le même, aussi bien pour l'hypopnée que pour l'apnée. Donc, voilà un aspect d'opposition de phase. Voilà un aspect, ce qu'on appelle le décalage de phase. Il n'y a pas vraiment une opposition, mais il y a une tendance à se poser qui témoigne qu'il y a toujours un effort. Ceci est détecté bien sûr par la sangle abdominale. L'onde de peau, c'est quoi l'onde de peau? C'est le signal qu'on détecte au niveau du plétismographe, donc au niveau de saturomètre. L'ECG et le temps que met l'onde de sang pour passer entre le cœur et l'oxymètre, c'est ce qu'on appelle l'onde de peau. Cette onde de peau, elle va. Ce délai-là va s'allonger lorsqu'on est en apnée, et puis il y aura une chute après la reprise. Et cette chute à la reprise de l'onde de peau témoigne qu'il y a un problème obstructif. Vous voyez ici, dans cet événement-là, il y a l'opposition de phase, il y a la chute de l'onde de peau et il y a le renflement. Le renflement très particulier, puisque vous avez pratiquement un aspect crescendo-décrescendo. Le renflement, comment il est, il augmente d'obstruction, d'effort thoracique, d'effort abdominal, d'effort respiratoire. Donc, il y a des techniques actuelles qui ont essayé de pallier à cet effort, particulièrement ce qu'on appelle le JAWAC. Donc, c'est un signe indirect, un élément indirect pour évaluer l'effort respiratoire. De même, une firme qui a mis en point une sonde œsophagienne en ambulatoire. Mais c'est des techniques qui restent quand même pratiquement plus en expérimentant dans notre pratique que une pratique quotidienne. Et donc ces événements-là, apnéiques, ils vont se répéter. On voit ici qu'ils se répètent
apnée, reprise, apnée, renflement, chute dans deux poumons, micro-éveil ici en polysomnographie. Et vous avez tout ça, ça se répète toute la vie. Vous avez aussi la position ici qui vous dit dans quelle position ils ont fait là ces événements. Donc, il y a le problème de la définition des hypopnées. Ce Soyez va parler de ça après. Et donc, je ne vais pas tarder ici donc pour la définition. Juste pour vous parler du plateau, donc là, comme élément d'obstruction. Donc là, comme un élément qui a caractère obstructif, l'existence d'un plateau au niveau des signaux en hypopnée. Donc, ce plateau ici ne permet pas de diagnostiquer les événements parce que pour parler d'événements liés aux résistances des voies aériennes supérieures, il nous faut les micro-EV. Et c'est la polysomnographie qui permet ça. Voilà, en polysomnographie, des plateaux tout au long du tracé. Il n'y a pas d'hypopnée, il n'y a pas d'apnée chez ce patient-là. Et donc, on a scoré le sommet, on a détecté des micro-EV et on a pu scorer ce qu'on appelle l'RRA. L'RRA, c'est des épisodes de résistance qui vont se terminer par des micro-EV. Et donc, on va compter les micro-EV liés à ces résistances et on va les inclure dans la société française, dans la recommandation française, on inclut ces RRA comme hypopnée. Bien sûr, au plan physiopathologique, les conséquences, ce n'est pas la même chose, mais bon, c'est inclus pour d'autres exigences de sécurité sociale, autre chose en France. Si vous n'avez pas d'effort abdominal ou thoracique, voilà, vous avez des apnées ici, apnée, reprise, vous avez les aspirations, mais qu'est-ce qu'on a ici au niveau du sangle thoracique abdominal? Il n'y a pas d'effort thoracique abdominal. Et donc, on est devant ce qu'on appelle les apnées centrales. Donc, il ne faut pas mélanger les apnées obstructives avec les apnées centrales. Et même, vous aurez parfois des apnées centrales particulières. Par exemple, ici, vous avez des apnées centrales. Ce qui est particulier, regardez, c'est cet aspect crescendo, décrescendo au niveau du flux nasal. C'est ce qu'on appelle la respiration de Shane-Stokes. Faites attention, lorsque vous avez quelqu'un qui est obèse et qui est en plus insuffisant cardiaque et chez qui vous voulez diagnostiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, faites attention, particulièrement si il a une fraction d'éjection systolique d'éjection basse. Donc, il a une grande malchance d'avoir une respiration périodique. Et dans ce cas-là, le traitement doit être particulier. Bien, il y a aussi quelle apnée ici. Si vous voyez ici, vous avez une grande apnée, longue apnée, avec des saturations, avec renflement, avec chute en deux. Mais on constate que la partie où il y a persistance de l'effort respiratoire, elle est précédée d'une partie, d'une moitié, où il n'y a pas d'effort. Donc, vous avez comme si on avait une partie qui est centrale, suivie d'une partie qui est mixte, obstructive, et on va parler ici de syndrome d'une apnée mixte. On évalue aussi, dans l'ordre du tracé, ce qu'on appelle le caractère positionnel. Par exemple, ici, regardez ici, le patient qui dort du côté, au niveau du dos, il faisait des apnées. Dès qu'il est passé au côté gauche, il ne fait plus d'apnée. Donc, on s'attend à un caractère positionnel chez ce patient-là. Et donc, après tout ça, on va rédiger notre rapport de polysomnographie. On doit valider tout d'abord l'enregistrement. Est-ce qu'il y a une durée de sommeil suffisante? Est-ce qu'il y a une bonne qualité du sommeil? Est-ce qu'il y a le scoring visuel a été réalisé et selon quelles recommandations? Et on doit préciser des données dans le rapport. Certaines données, tout d'abord la durée de l'enregistrement, combien il a passé, on voit combien il a passé au niveau du dos, au niveau du côté droit, du côté gauche, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on a le droit d'évaluer le caractère positionnel ou non. On va chercher des indices qui vont nous aider pour le diagnostic. Voilà les indices qu'on cherche. Vous avez ici différents indices. Tout d'abord, l'indice d'apnée totale, voilà 49, avec l'indice d'hypopnée 9,6. Donc, notre indice d'apnée hypopnée, c'est la somme des deux, et aussi, donc ça pratiquement ici, c'est 58,59 apnée hypopnée par heure. Donc, vraiment, c'est un syndrome d'apnée du sommeil très sévère. Mais il est fait de quoi?
Il est fait surtout d'apnée obstructive à 33 par heure, mais il n'y a pas de syndrome d'apnée centrale, donc c'est moins de 5 par heure, mais il faut les voir dans le tracé, dans répartition. Et il fait aussi des apnées mixtes. Lorsque vous avez des apnées mixtes, des apnées centrales, regardez le tracé, c'est possible qu'il y ait autre chose que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais c'est quand même un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, à grande part obstructive, qui est sévère. Pour dire qu'il est sévère, il faut que l'IH, la liste d'apnée, soit supérieure ou égale à 30 par heure. Entre 15 et 30, c'est modéré. Et entre 5 et 15, c'est léger. C'est à partir de, lorsqu'il est sévère, où on indiquerait obligatoirement le traitement par la pression positive continue. On doit vérifier aussi le lien avec le dos. Là, on va comparer nos indices d'apnée hypopnée entre la position droite ou gauche avec le dos. Et vous voyez ici qu'il y a une nette différence, pratiquement le double, entre le dos et les deux autres positions. Et donc, il y a nettement un lien positionnel qu'on va l'objectiver au niveau du tracé. Il y a un autre lien qui est difficilement analysable au niveau de la polygraphie, c'est le lien avec le sommet paradoxal. Regardez chez ce patient-là, on voit que les apnées, les hypopnées, ça c'est une nuit de temps, la tendance de toute la nuit, et on voit que les hypopnées, les apnées sont réparties en ce qu'on appelle en clusters. Et donc lorsque c'est réparti en clusters comme ça, c'est possible que ce soit lié au... soit très lié au sommet paradoxal, puisque c'est dans le sommet paradoxal qu'on fait plus d'événements. Et donc, normalement, dans ce cas-là, il vaut mieux faire une polysomnographie pour s'assurer du lien avec le rein. Parce que dans certains cas, même si le syndrome d'apnée obstructive du sommeil n'est pas sévère en IH, il est quand même sévère dans le lien avec le rein et on pourrait indiquer le traitement. Donc, signaler pour la polygraphie, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a, on va voir des résistances, mais on ne pourra pas les scorer comme ce qui n'a pas de micro-EV, donc il faut les signaler. Est-ce qu'il occupe une grande part dans le tracé ou bien juste une petite partie? Là, si le sens est très sévère, ça ne pose pas de problème. Et donc, il faut évaluer la part des indices du RER, ces événements par rapport à l'IH, parce que dans ce cas-là, il pourrait s'agir uniquement d'un syndrome de résistance des voies aériennes supérieures. Et dans le polysomnographie, vous aurez un autre paramètre au lieu de l'IH, vous aurez ce qu'on appelle l'ITR, dans lequel on va associer l'IH aux ces événements de résistance. Et dans ce cas-là, c'est l'ITR qui sera la base de l'indication thérapeutique et pas l'index d'apnée hypopnée. Donc voilà un cas de polysomnographie où on a un patient qui avait l'IH à 17, mais lorsqu'on a scoré, on a trouvé qu'il fait encore des micro-EV liés à des phénomènes de résistance, ce qu'on appelle aussi une limitation éveillante. Et dans ce cas-là, l'IH est monté à 27 par heure. Donc, vous voyez qu'on est passé d'un score qui est modéré bas à un score qui est proche du sévère. Et donc là, ça va se discuter l'attitude thérapeutique en fonction de ça. On évalue aussi l'index de désaturation. Et donc, l'indice de saturation ici, par exemple, est à 18 par heure. Et 18 par heure, il faut toujours trouver la corrélation entre l'index de saturation et l'IH. Est-ce qu'il y a une corrélation? Si c'est très loin, donc il faut se demander, est-ce que le patient a été scoré manuellement? Parce que la saturation est un élément obligatoire dans l'hypopnée, dans la polygraphie, puisqu'il n'y a pas de micro-EV. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation entre l'index de saturation et l'IH, il faut se demander est-ce que le patient on a omis de scorer manuellement. Et il faut aussi chercher des épisodes d'hypoventilation qui peuvent accompagner le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, surtout lorsqu'on est obèse. Et vous voyez ici, par exemple, ce patient-là, il a pratiquement plus de 5 minutes, je pense ici 10 minutes, avec une chute de la saturation au-dessus de 88%. Et donc, c'est un épisode d'hypoventilation. Et donc, il faut chercher pourquoi il fait ça. Et c'est possible qu'on aurait besoin, pas uniquement de la PC, mais aussi de la BIPAP ou la ventilation en deux niveaux de pression. Donc là, on peut le suspecter déjà au niveau du graphique de tendance. Vous voyez ici qu'il fait des chutes longues au-dessous vraiment de 88% chez ce patient-là. Et donc, déjà au niveau du tracé, on peut suspecter. Et là, il faut le signaler dans le rapport. Est-ce qu'il y a des épisodes d'hypoventilation, soit notés visuellement, soit notés dans la fenêtre des tendances?
Donc, globalement, on va aboutir à plusieurs profils, mais j'ai un profil particulier qui est le plus facile à traiter, à prendre en charge par le, en cas d'initiation en polysomnographie. C'est ce que j'appelle le sens pur en polygraphie, qui va autoriser notre PPC d'emblée. Autrement, il faut discuter une prise en charge soit dans un centre de sommeil ou bien une formation particulière. Si vous avez un patient qui a un SAR sévère avec un IH supérieur à 30, avec un index de saturation corrélé à l'index d'apnée hypopnée, avec uniquement des apnées ou des hypopnées désaturantes, vous n'avez pas d'hypopnée isolée sans micro-éveil, et il n'y a pas d'hypositif de ventilation, c'est le profil typique qu'on peut prendre en charge si on a une formation à minima en pathologie du sommeil. Bien sûr, il faut préciser dans le rapport, est-ce qu'on a un besoin secondaire en polysomnographie? Donc, si vous voyez que les RRA sont prédominants, il faut demander une polysomnographie. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'hypopnées non désaturantes, il faut demander une polysomnographie à la recherche du micro-EV. Et si vous voyez qu'il y a nécessité d'une titration manuelle, il faut faire la polysomnographie. Voilà un patient qui est sous titration et chez qui, voilà, on voit émerger. Il avait des apnées centrales, quelques apnées centrales, quelques apnées mixtes, et on voit émerger un vrai syndrome d'apnée centrale avec chain stocks après la titration. C'est ce qu'on appelle le SAS central émergent. Et donc, faites attention, si vous voyez des apnées centrales, particulièrement lorsque c'est proche de 5 par heure avec des épisodes de chain stocks, faites attention, particulièrement chez les patients cardiaques. Donc là, voilà, donc le. Il y a d'autres indications. Donc là, pour la polysomnographie, si vous avez d'autres pathologies associées, et parce que la polysomnographie ne sert pas uniquement au diagnostic des troubles respiratoires du sommeil, il y a d'autres pathologies du sommeil. Par exemple, il y a les enregistrements diurnes, particulièrement ce qu'on appelle le TIL, le test irritatif de l'attente d'endormissement, qui nous permet de poser le diagnostic de certaines pathologies comme la narcolepsie. Donc le rapport de polysomnographie est plus détaillé et vous permet de mieux prendre en charge le patient. Et globalement, la polygraphie reste abordable et la plus facile à utiliser en pratique courante. Je vous remercie. Merci, professeur Biès. Alors, je donne la parole à docteur Soyez. Comme ça, on ouvre la session questions-réponses sans déborder sur le timing. Merci beaucoup. À vous la parole, docteur Soyez. Merci beaucoup, professeur Elbiaz. Je vais essayer de ne pas avoir trop de redites par rapport à ce que vous avez dit. Alors, écran partagé, ça ne marche pas. Voilà, si. Vous voyez mon écran? Oui, je vais le mettre en mode diaporama. Voilà. Mode diaporama, je pense. Voilà, c'est bon. C'est bon et vous m'entendez? Oui, c'est OK. Merci. Alors, voilà. On a effectivement, comme l'a dit le professeur Elbiaz, plusieurs types de recommandations. Les dernières recommandations françaises sont un peu anciennes, enfin une dizaine d'années, c'est pas si vieux que ça. Et il y a des recommandations américaines de 2017 qui sont un peu plus récentes. Il y a un grand problème qui consiste au diagnostic, de faire la différence de diagnostiquer des hypopnées. Pour les apnées, on est tous d'accord, ça dure 10 secondes et ça doit être moins de 90% du signal de débit, à qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de désaturation d'ailleurs. Donc ça, c'est assez facile. Pour les hypopnées, les recommandations françaises de 2010 disaient qu'il faut une diminution de 50% du débit par rapport à la ligne de base. On va essayer de voir ce que c'est qu'une ligne de base. Et ce, pendant au moins 10 secondes. Ou alors, une chute de 30 secondes ou un aspect de plateau inspiratoire sur la canule nasale associé à une désaturation d'au moins 3% ou à un micro-éveil. Alors, donc, les recommandations de 2017 de la Société américaine de sommeil, c'est exactement la même chose pour les apnées, ça ne bouge pas. Par contre, pour les hypopnées, cette diminution de 50% du débit aérien n'est pas retenue et ils exigent qu'il y ait 30% de baisse du débit, enfin de l'estimation du débit, avec un événement derrière qui est soit une désaturation, soit un micro-éveil, comme l'a dit le professeur Elbiaz. Et donc, ça nous donne ceci en pratique courante. Vous avez, alors, ce qui est très important aussi, sur lequel je tiens, alors il y a deux choses sur lesquelles je tiens absolument à souligner qui a déjà été dite, c'est que, un, il faut absolument relire manuellement les tracés, c'est indispensable. Et deuxième chose, il est vraiment très important d'avoir une estimation du débit buccal et pas uniquement du débit nasal.
Donc ici, vous avez typiquement des apnées, hein, avec un arrêt du débit nasal ici, qui sont obstructives avec persistance de mouvement thoracique, qu'elles soient déterminées par des sangles ou qu'elles soient déterminées par des capteurs de pression susternale, qu'importe la technique. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Pour les hypopnées, c'est un peu plus compliqué. Si par exemple, vous avez ce tracé-là, avec sur le débit nasal, que l'on voit bien ici, une nette diminution par rapport à la ligne de base qui est là, vous avez une diminution d'au moins 50%. Donc, si vous appliquez, et ce, si jamais il n'y a pas de désaturation, si vous appliquez les critères français, vous le classez en hypopnée. Si vous appliquez les critères américains, vous ne pouvez pas le caractériser en hypopnée. Fort heureusement, chez ce patient, il y avait une désaturation significative, puisqu'on passe de 97% à 94%, on a 3%. Donc, quel que soit le système de cotation, c'est une hypopnée, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas de désaturation, si vous rajoutez une polysomnographie, et c'est l'intérêt de la polysomnographie comme dit précédemment, si vous avez un micro-éveil, vous avez là encore, dans ce cas de figure, le droit de coter cet événement en hypopnée. Donc, des hypopnées, elles peuvent être désaturantes, ou là ici on a une hypopnée désaturante, 98 à 95%, ou elles peuvent ne pas être désaturantes. Alors, ici on a cette hypopnée typique, une ligne de base qui est là, qu'on voit bien, la canule nasale qui est ici, un petit peu de bruit là, et on a 98% et on passe à 95%. Ici, on a une hypopnée. Et là, le logiciel, il nous dit, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est, donc je vous dis qu'il y a un événement respiratoire. Là, on est en polygraphie, on n'est pas en polysomno, mais je ne me prononce pas pour dire quel est cet événement respiratoire. Alors, c'est de l'intérêt de la lecture manuelle. Cet événement respiratoire, il n'y a pas de désaturation significative puisqu'on passe de 98 à 96%. Et après ça, il y a deux façons de coter ça. Soit on dit, soit on considère qu'il y a une chute de plus de 90% et puis on peut se permettre de dire qu'il y a une apnée. Soit on dit qu'il n'y a pas 90%. Moi, j'ai un peu envie de dire que je pourrais mettre une apnée ici. Mais bon, on aurait le droit de dire autrement. Et puis là encore, ici, il nous dit qu'il y a quelque chose. Et là, il se trompe un peu, là, probablement, d'abord sur la durée, hein, la durée de l'événement étant probablement beaucoup plus longue. Et il nous dit qu'il y a un événement qui n'est pas désaturant. Donc, soit vous utilisez les critères français et vous dites qu'il y a une hypopnée, soit vous gardez les critères américains et vous dites qu'il n'y a rien. Sur la polygraphie, vous ne pouvez pas vous prononcer plus que ça. C'est à vous de trancher ou de ne pas trancher. Ici, on a une hypopnée désaturante, une hypopnée non désaturante. Alors, est-ce que c'est une hypopnée ou est-ce que c'est une apnée? C'est difficile de le dire. Le visuel, voilà, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a 90% de chute du débit par rapport à la ligne de base qui est là ou est-ce qu'il n'y a pas? Bref. Soit vous le classez en hypopnée parce que vous dites qu'il y a plus de 50% et vous utilisez le critère français, soit vous estimez qu'il y a plus de 90% de chute de débit, vous le classez en apnée. C'est parfois difficile. Alors, voilà, ici par exemple, si jamais vous êtes en polygraphie, que vous avez ce tracé-là, sur la canule nasale, vous êtes là, vous avez ici une baisse de votre débit nasal à l'évidence par rapport à cette ligne de base. Sur les sangles, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Vous n'avez pas de chute d'oxygène majeure. Est-ce qu'ici, vous avez un événement respiratoire ou est-ce que vous n'en avez pas? Sur la polygraphie simple, c'est extrêmement difficile de trancher. À partir du moment où vous avez, à la fin de cet événement, un micro-réveil, c'est peut-être plus facile de dire qu'il y a ici une hypopnée. C'est difficile à voir en simple polygraphie. La ligne de base, c'est assez compliqué à déterminer. C'est la ventilation normale qui précède et qui suit un événement respiratoire. L'amplitude moyenne de la respiration, mais elle doit être stable dans les 2 minutes qui précèdent le début de l'événement ou par l'amplitude moyenne des 3 cycles les plus amples au cours des 2 minutes précédant le début de l'événement. Donc, c'est un peu compliqué sur la recommandation de l'ASM et elles nous disent que si jamais on a une reprise ventilatoire avec une résaturation de 2%, à ce moment-là, peut-être que ça peut être considéré comme un événement respiratoire. Ici, par exemple, vous avez typiquement sur votre flux nasal qui est ici,
c'est bien difficile de savoir quelle est la ligne de base. Est-ce que c'est au moment de cette reprise ventilatoire qui est ici? Est-ce que c'est ça la ligne de base qui est là? Est-ce que là, donc, on a affaire à des événements, il y a des hypopnées? C'est probable. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas toujours très, très facile de faire une bonne interprétation. Ici, vous avez typiquement ce que vous donne le logiciel. Il vous dit qu'il y a plein d'hypopnées ou d'événements respiratoires. Et en fait, quand vous regardez la courbe d'oxygène, vous partez de 94% et puis vous avez une lente désaturation. Vous avez une toute petite reprise là et puis vous arrivez jusqu'à 87%. Alors, il nous dit, le logiciel, j'ai un peu de reprise ventilatoire là, un peu ici, un peu là. Donc, il vous met plein d'événements. Et alors, à la fin de votre compte-rendu, ça va être très compliqué. Enfin, ça va être très différent si vous dites qu'il y a 1, 2, 3, 4 hypopnées ou si jamais vous dites ben, « j'ai qu'une seule grande désaturation et j'ai donc tout ceci, je le cote comme étant une hypopnée ». Donc, là encore, ça appartient à chacun et aux habitudes de chacun. C'est juste pour témoigner de la difficulté de l'interprétation, parfois de la polygraphie. Et moi, je mettrais… Peut-être que le professeur Elbiaz ne serait pas d'accord avec moi, mais moi, je mettrais une grande hypopnée désaturante et pas plusieurs événements. Pardon, monsieur Elbiaz ? Je pense, oui, que je serais d'accord avec toi, oui. Voilà. Donc, j'avais montré une apnée comme ça tout à l'heure. J'allais la montrer, ce qui a duré 2 minutes. Donc, voilà, c'est un grand phénomène d'hypopnée. Il n'y a pas plusieurs événements. Et là, bien sûr, si vous ne cotez qu'un événement ou quatre, ben, ça change tout à la fin de votre tracé. Quand vous avez comme ça sur votre tracé de polygraphie, votre canule nasale, là, et tout d'un coup, il n'y a plus rien, et quand il n'y a plus rien, surtout sur des grandes périodes comme ça, vous devez vous interroger sur le fait que la canule nasale ait pu partir du nez. Il peut y avoir donc un artefact. En l'occurrence, là, ici, y a-t-il un artefact de mesure? Est-ce que la canule nasale est partie? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous avez une saturation qui passe de 95 à 75%. Vous êtes donc bien dans un phénomène d'apnée. Et là, alors moi, je lis souvent en 2 minutes, M. Elbaz lit en 5 minutes. Il y a des intérêts à l'un et à l'autre. Mais là, quand vous vous mettez en 5 minutes, ben, vous voyez bien qu'il y a ces longues, très, très longues apnées hein, qui durent 2 minutes avec donc une perte complète du signal nasal et ces très profondes désaturations. Ici, vous avez surtout les tracés là, vous avez ici la canule nasale et là-haut, vous avez les sons trachéaux, ce sont des sons que moi j'aime bien interpréter, on verra. On a vu, M. Elbiaz a dit, il faut que ça dure 10 secondes. Alors, comment, oui, mais enfin, 10 secondes à partir de quoi? Et là, on a des recommandations de l'American Society, là encore, qui sont intéressantes et c'est très important ça. Les 10 secondes, c'est à partir du nadir qui précède la première respiration nettement réduite. Alors, je vais vous montrer ce que ça veut dire, mais c'est très important. Et jusqu'où est-ce que ça va? Ça va jusqu'à la première respiration qui s'approche de la respiration de référence. Donc, là, par exemple, l'ordinateur vous dit « j'ai une apnée ». Bon, OK, mais imaginons que ça fasse que 9 secondes, ben, vous ne pourriez pas le coter comme apnée. Et en fait, l'ordinateur a mal coté la durée de l'événement, puisque si jamais on doit partir du nadir qui précède la dernière respiration de qualité, eh bien, à ce moment-là, le nadir, il est ici. Et donc, la durée réelle de votre événement, ce n'est pas ça, c'est ça, avec une reprise ventilatoire après. Ça, c'est la recommandation de l'American Society. De même, ici, on nous dit qu'il y a une apnée qui dure tant de... J'ai combien de temps encore? Encore un petit quart d'heure. Là encore, mon hypopnée, l'appareil le fait partir de là. Si jamais ma ligne de base est ici, eh bien, cette hypopnée, elle devra partir a priori de cet événement d'ici. Hein. Le nadir de l'événement, il est là. Ça, c'est important parce que vous devez avoir effectivement une dizaine de secondes pour pouvoir coter votre événement. Hein. Donc, cette cotation ici est fausse, cette cotation ici est vraie. Alors, hop, je vais passer. Les chain stocks, on va passer, on en a parlé un petit peu, c'est un petit peu particulier. Ensuite,
On va voir un petit peu les difficultés qu'il y a à classer les événements entre obstructifs, centraux ou mixtes. Obstructif, il faut qu'il y ait l'obstruction. Alors, on va voir pourquoi. Alors, comme défaut de la commande pour les centrales, et ça doit être. Alors, et l'ASM nous dit pendant toute la durée de l'épisode, il ne doit y avoir aucun effort respiratoire. Et les apnées mixtes commencent avec des absences d'effort et ensuite des efforts. Et il y a, sur les dernières recommandations américaines, il y a quelque chose d'autre qui est très important qui vient d'être précisé et qui dit. Il n'existe pas de preuves suffisantes pour déterminer une durée spécifique des composantes centrales et obstructives d'une apnée mixte. Ainsi, la durée spécifique de ces composantes n'est pas recommandée. Donc ça, c'est nouveau. Et avant qu'il y ait dit cela, avant que ce soit comme ça, on disait qu'il fallait qu'il y ait au moins 3 efforts respiratoires pour caractériser une fin d'apnée en étant obstructif. Et là, maintenant, les nouvelles recommandations nous disent qu'il en faut juste un seul, si jamais il y a un seul effort respiratoire avant la fin de l'apnée, alors vous pouvez la classer en mixte. Ici, vous avez donc typiquement des apnées obstructives. Pourquoi est-ce qu'elles sont obstructives? Parce que vous avez une persistance des mouvements qu'on voit bien ici et parce que, à la limite, il y a des bruits de ronflement et c'est tout l'intérêt aussi du micro. C'est pas du moment où on ronfle, obligatoirement, l'événement est obstructif, donc il n'y a pas de difficultés diagnostiques. Ici, l'appareil nous dit « j'ai une grande apnée et elle est obstructive parce que j'ai plein de mouvements. » Est-ce que c'est vrai? D'abord, vous êtes surpris parce que c'est vrai qu'on désature, on passe de 95 à 92 %, mais ce n'est pas une grande désaturation. Et ensuite, il y a encore une respiration buccale. Et tout à l'heure, on insistait sur l'importance d'un capteur qui nous donne de la respiration buccale. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ici, on a de la respiration buccale? Parce qu'on a des bruits trachéo réguliers. Et donc, si jamais il y a des bruits dans la trachée réguliers, c'est que ça continue à respirer. Et comme on ne respire pas par le nez, alors on respire par la bouche. C'est une des façons d'estimer la respiration buccale, l'autre façon étant d'avoir des capteurs sensibles à la chaleur. Alors, est-ce que ces apnées sont obstructives? Ici aussi, on a encore du bruit là, au niveau de notre trachée. Mais est-ce que c'est bien une apnée? Eh bien là, en l'occurrence, là, ici, c'est une apnée parce que vous avez un mouvement crescendo des bruits inspiratoires. Et donc, on n'est plus en face d'une respiration régulière, mais on est face à quelqu'un qui est en train de suffoquer. Et donc, il n'y a pas de respiration régulière. Donc là, on est bien sur une apnée obstructive. Pour les apnées centrales, ça a été vu tout à l'heure, qu'on utilise, là, ici, on a deux façons d'utiliser la persistance de mouvement, soit le capteur de pression susternale, soit les sangles. Et là, les deux capteurs nous disent la même chose, il n'y a pas de souci. Là aussi, pareil, on a une abolition. Là, ici, quand on voit des petits mouvements comme ça sur le capteur de pression susternale, c'est les battements du cœur. Ce ne sont pas des mouvements. Donc là aussi, il y a une harmonie, il y a bien des apnées centrales, ça ne pose pas de problème. Là encore, voilà. Et ici, par contre, vous avez une discordance. On a un flux nasal qui est de très, très mauvaise qualité. Donc, on se base sur les bruits trachéo. Et bien là, il nous dit qu'il y a une apnée. Et il nous dit que… les sangles pourraient nous dire que c'est central. Mais en fait, sur le capteur de pression susternale, on vous dit que c'est plutôt obstructif. Donc, quand vous avez plusieurs capteurs qui servent à déterminer si jamais la composante est centrale et est obstructive, si un de ces capteurs vous dit que c'est obstructif, c'est que ça l'est. Ici, vous avez un piège, un vrai piège qui est difficile. Vous avez à l'évidence un arrêt complet de la respiration au niveau de la canule nasale. Vous avez quelque chose qui ressemble à des apnées centrales. Il n'y a plus de mouvement. Enfin, c'est quand même un peu atypique parce que ça part de très haut puis ça descend comme ça. C'est très bizarre. Et puis, il y a quelque chose de très bizarre là-dedans. Alors, vous avez des micro-éveils qui sont à chaque fin d'événement. Là, vous avez un beau micro-éveil. Mais il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est qu'au niveau de votre son trachéal, vous avez du bruit.
Alors, qu'est-ce qui peut entraîner quelque chose qui ressemble à des apnées centrales en continuant à faire du bruit à l'intérieur de votre trachée? C'est une femme jeune de 25 ans qui est extrêmement fatiguée, mais qui ne fait pas d'apnée et qui fait ce qu'on appelle de la catatrénie. Donc, d'où vraiment l'importance d'avoir un bon micro qui marche bien. Hein. La catatrénie, c'est un petit bruit, c'est des gens qui font comme ça, donc ça perturbe considérablement les voisins. Ils se réveillent en fin d'événement, hein. C'est difficile à soigner, ce ne sont pas des apnées. Là, c'est des apnées centrales de 5 minutes. OK. Alors, les apnées mixtes. On a dit que ça commençait comme des centrales et que ça s'aminait comme des obstructives. Et là, c'est très typique. Hein. On a plusieurs efforts respiratoires avant la fin de l'événement, hein, qui dure jusque-là, avec des bruits trachéaux, donc il y a bien des efforts de lutte. Il n'y a pas de souci. Là, c'est plus difficile. Là, si on prenait les anciennes recommandations et de l'ASM et de la recommandation française, vous n'avez qu'un seul, événement obstructif, enfin, événement de lutte avant la reprise ventilatoire. Donc, vous ne pourriez pas le classer comme apnée mixte. Maintenant, avec les nouvelles recommandations, d'ailleurs ici, on voit bien qu'il y a plusieurs efforts de lutte, hein, maintenant, avec les nouvelles recommandations, avec juste un seul effort, vous avez le droit de la classer en apnée mixte. C'est important, les apnées mixtes, parce qu'il faut se méfier quand on appareille ces gens-là, pas toujours, mais souvent, ils vont développer un syndrome d'apnée du sommeil central derrière, un syndrome d'apnée centrale émergent. Donc, il faut être un peu plus vigilant par rapport à ces patients. Là, on est sur de l'apnée mixte également. Voilà. Alors là, l'appareil nous dit... J'ai mon capteur qui ne me dit pas trop si jamais c'est obstructif ou central. Je mets une apnée indéterminée. En fait, à partir du moment où il y a du bruit à l'intérieur de votre trachée, même si les capteurs, les sangles, les capteurs cisternaux, etc., vous disent qu'il n'y a rien, il faut savoir quand même que les sangles, par rapport au pneumotachographe, ça se trompe dans 30% des cas, hein, quand même. Hein. Les sangles, ce n'est pas du tout le gold standard. Le gold standard pour déterminer si l'apnée est obstructive ou centrale, c'est la pression œsophagienne. Donc, par rapport au gold standard de la pression œsophagienne, les sangles se trompent de façon régulière. Là, si jamais vous avez un bruit à l'intérieur de la trachée, c'est qu'il y a obligatoirement un phénomène de lutte. Ça, c'était pour les apnées. Pour les hypopnées, qu'est-ce que nous dit la SM 2017? C'est que le codage des hypopnées en obstructive ou centrale est optionnel. C'est optionnel parce qu'on se base surtout finalement sur les apnées, c'est beaucoup plus facile. Mais néanmoins, ça peut être utile parfois, surtout quand les tableaux sont essentiellement d'un tableau d'hypopnée. Si jamais ça ronfle, si jamais il y a une accentuation du plateau inspiratoire, ou si jamais il y a un aspect paradoxal des mouvements thoraco-abdominaux, alors on peut dire que c'est obstructif. S'il n'y a aucun de ces trois éléments, on dit que c'est central. Ici, vous avez des hypopnées. On voit bien ces hypopnées. Hein. Elles sont bien désaturantes, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elles sont obstructives? Est-ce qu'elles sont centrales? Moi, je ne réussis pas à le savoir sur ce tracé-là. Je ne sais pas. Là, par contre, on est sûr que cette hypopnée... Alors, ici, vous avez un flux nasal qui est catastrophique. La personne a perdu sa canule. Mais vous avez... une saturation qui passe de 95% à 90%. Vous avez une diminution de l'amplitude au niveau de vos sangles thoraco-abdominales. Donc, c'est une autre façon aussi de pouvoir déterminer une diminution du débit aérien, hein, la diminution de l'amplitude au niveau des sangles piézoélectriques. Mais donc, vous avez cette diminution d'amplitude-là. Vous avez une désaturation. Et puis, vous avez un autre phénomène, c'est que vous avez un épisode dense en ronflement. Donc, si jamais vous ronflez, c'est que vous respirez moins bien. Et si jamais vous respirez moins bien et vous désaturez, alors vous avez une hypopnée. Donc ici, vous avez deux arguments. Même si vous perdez votre canule nasale, vous avez deux arguments pour affirmer un diagnostic d'hypopnée. Soit mon épisode dense en ronflement, soit une diminution de mon amplitude de sangle. Comme ça ronfle, c'est obligatoirement obstructif. Ici... la machine nous dit qu'il y a une hypopnée. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, à mon avis, c'est pas si évident que ça. On part ici de 97%, on arrive à 93%.
On s'aronfle tout le temps. Oui, on peut dire qu'il y a une hypopnée. Alors là, on est sous PPC. Et sous PPC, c'est important de savoir aussi, quand on fait des contrôles sous PPC, si jamais l'apnée, quand il y a des apnées, si jamais elles sont de nature obstructive ou centrale. C'est vrai que les nouveaux appareils auto-PPC là, nous aident bien pour faire la différence, mais des fois, bon. Là, en l'occurrence, vous avez ici là-haut votre bruit trachéal. Vous avez ici votre variation de pression qui correspond à la variation de canule nasale, enfin variation de pression aussi ou de débit. Enfin, il vaut mieux avoir un débit, mais là, c'est une variation de pression. Si jamais vous avez donc une vraie diminution de votre variation de pression ou de votre débit avec un pneumotachographe et que vous avez une vraie désaturation, eh ben, vous pouvez dire qu'il y a en tout cas une hypopnée ou en tout cas une apnée, voilà, ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez un son à l'intérieur de votre trachée qui est continu comme celui-ci, alors, vous pouvez affirmer, donc la machine fait du bruit à l'intérieur de votre trachée, donc vous pouvez affirmer que vos cordes vocales sont ouvertes et qu'il n'y a pas de collapsus au niveau de votre pharynx. Donc, l'apnée, ici, elle est de nature centrale. Alors, une autre chose qui est assez nouveau dans la dernière classification américaine, ils disent ce qui commence comme une hypopnée et se termine en apnée, se classe en apnée. Et là, par exemple, on voit une erreur de cotation qui a été faite à l'époque, c'est qu'on avait ici, alors, pas de bruit de canule nasale, hein, on est d'accord, mais il persistait de la ventilation buccale, déterminée ici par le son trachéal, et là, il n'y a plus de respiration buccale, donc à partir de là, on a dit qu'il y avait une apnée. Mais si jamais on emploie une nouvelle recommandation, alors, l'apnée, on ne doit pas la faire partir d'ici, mais on doit la faire partir de là. Alors, sur les hypopnées, il y a aussi un bon argument pour savoir si jamais l'hypopnée est obstructive ou pas obstructive, c'est le plateau inspiratoire. Vous voyez que quand on a une respiration libre au niveau de la canule nasale, le débit est bien pointu, bien arrondi comme ça. Si jamais vous avez un plateau, alors ça veut dire qu'il y a une gêne à l'inspiration. Et s'il y a une gêne à l'inspiration, c'est que c'est bien obstructif. Donc ici, vous avez deux arguments pour dire que cette apnée est obstructive, que cette hypopnée est obstructive. D'une part, il y a du ronflement. D'autre part, il y a ce plateau inspiratoire au niveau de la canule nasale. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Il nous reste juste 10 minutes, le temps de... Juste 10 minutes. Le temps avec les questions ou sans les questions? 10 minutes au total pour les questions. Et pour je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je voulais dire, réinsister aussi sur des façons de voir la position et les apnées. Hein. Ici, on a typiquement quelqu'un qui ne fait pas d'apnée. Quand il n'est pas sur le dos, ici on est sur le dos et on fait des apnées sur le dos et pas sur le dos. Ça, c'est important. Et je vais passer, hop, parce qu'on va laisser le temps aux questions. Ah si, il y a un truc qui est sorti là au dernier congrès du sommeil de l'année passée. C'est la reproductibilité des polygraphies. Et finalement, ça bouge assez d'une nuit à l'autre. Il faut savoir refaire les polygraphies ou des polysomnographies quand on a des doutes. Hein. Une méta-analyse, moi, je n'ai pas de truc. Une méta-analyse, hein, 41% quand on fait deux polygraphies sur deux nuits consécutives, 41% ont une différence de plus de 10 par heure en index d'apnée-hypopnée. Hein. Donc, ça varie pas mal d'une nuit à l'autre. Là, ici, c'est une autre étude publiée dans Chest où... ils ont pris le gold standard de faire une oxymétrie sur 8 nuits. La variabilité internuit est de 30%, donc c'est assez important. Donc on sait qu'il y a une variabilité internuit importante avec possiblement un risque de sous-diagnostic. Et quand on a un doute diagnostique, il ne faut pas hésiter à refaire les examens. Voilà, j'ai terminé pour mon diaporama. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci, professeur Biaz. Merci, docteur Soyez, pour ces deux topos qui sont
vraiment riche en iconographie. Ça rappelle d'ailleurs la pertinence d'un atelier en essayant de nous montrer les images. Donc, c'est difficile de respecter un temps d'une heure trente avec une thématique si riche et séduisante, à savoir les interprétations et l'enregistrement concernant la pathologie de sommeil. Alors, j'ai des questions posées par l'assistance. La première question, c'est une question posée par Dr Shakir, qui pose la question par rapport aux discordances entre... Est-ce que... Alors, la question... Bonjour tout le monde et vous remercie pour la présentation. Est-ce qu'on peut avoir une discordance entre un SAO sévère avec un tableau clinique de somnolence diurne avec un EPOIRT moins de 4? À vous la parole. Il n'y a aucune corrélation entre l'index d'apnée hypopnée et la somnolence. Vous avez des gens qui ont 6, 7, 8 apnées par heure, donc très très peu, qui sont extrêmement fatigués. Et vous avez des gens qui ont 70 apnées par heure et qui ne se présentent, qui n'ont aucune espèce de somnolence. C'est assez variable. Donc il n'y a pas de corrélation entre l'index d'apnée hypopnée et le degré de somnolence. Et de façon encore plus étonnante, il n'y a pas de corrélation entre l'index de micro-éveil et la somnolence. C'est pourquoi d'ailleurs l'EPUR, ce n'est pas un bon élément, n'est pas une bonne échelle pour dépister l'apnée du sommeil. Ok, une autre question posée par Dr Sedrati. Alors, qu'en est-il de l'enregistrement par des montres, des watches qui montrent des troubles et des pistes des troubles de sommeil chez les patients? D'ailleurs, c'est la tendance d'avoir des smartphones et des plateformes ou bien des montres qui enregistrent les patients ou bien au moins dépister des pathologies de sommeil. Je vous laisse répondre, monsieur Elbiaz, ou... Oui, quand tu veux. Bon, j'ai fait une petite étude concernant les... J'ai corrélé un peu une montre connectée connue, un peu, avec quelques enregistrements de sommeil. Là, le problème essentiel, c'est l'algorithme qui est utilisé dans ces appareils. Donc, ces algorithmes ne sont pas faits pour détecter des apnées ou des hypopnées. Non, donc pour les problèmes respiratoires, c'est des signes indirects. Il se base sur certaines variations du rythme cardiaque, certaines variations en fonction de la position. Et deuxième chose, c'est que la stratification du sommeil, elle est aussi très variable en fonction de l'algorithme. Et donc, c'est basé aussi sur la variation du rythme cardiaque et sur la position. Et éventuellement, il y a une montre qui a utilisé un peu un algorithme un peu avancé, qui essaie même de parler de sommeil paradoxal, mais bon, en réalité ça reste Donc ce qu'on a constaté par contre, la montre connectée pourrait être une aide dans le cadre de, comme une aide pour l'agenda de sommeil, c'est possible pour les patients qui ont des insomnies. Donc ça peut être une aide pour évaluer pour remplacer l'actimétrie. Mais pas pour dire qu'il a un certain nombre d'apnées. Non. Ouais. Alors oui, toujours dans la réflexion. Ouais. Non, tout à fait. Je pense que pour l'actimétrie, ça peut être pas mal. Pour le reste, vraiment, vous avez déjà vu la difficulté qu'on a avec des capteurs hyper précis pour diagnostiquer précisément une apnée, une hypopnée, etc., avec des critères de jugement qui sont extrêmement délicats. On verra bien ce que nous donnera l'intelligence artificielle dans 15 ans, quoi. Mais pour le moment, bon. C'est vraiment des choses à double tranchant. Il y a des gens qui viennent vous voir en consultation et qui vous disent, voilà, ma Google montre m'a dit que je faisais plein d'apnées et c'est pour ça que je viens. Donc, ça peut être positif. Après ça, si jamais la Google Monde se trompe et que la même personne dit « j'ai pas d'apnée » parce que ma Google Monde dit que j'ai pas d'apnée, voilà. Donc, ça peut être un facteur de sensibilisation et ça peut être faussement rassurant. Je crois qu'il faut être très prudent. Voilà. Tout à fait. Alors, toujours dans la même réflexion, pour pouvoir justement évaluer la sévérité de SARS, il y a une réflexion disant qu'il ne faut pas oublier la prise en charge des comorbidités associées, notamment les comorbidités cardiovasculaires, fréquemment associés au SARS. Oui, c'est les comorbidités, c'est...
on voit, on est toujours en relation avec les services de cardiologie, avec les services d'endocrinologie, même avec les services de gastroentérologie, parce qu'on nous envoie pour dépister ces troubles respiratoires du sommeil. Ça revient à dire que le SARS n'est pas toujours symptomatique cliniquement. Et ça pose des problèmes. Et donc, parfois, on découvre un SARS sévère chez quelqu'un qui n'a pas de somnolence d'urine excessive, qui n'a pas de souffrance d'urine, mais qui, en plus, qui fait des AVC répétés ou qui fait de... Et donc, c'est vrai. Deuxième chose, c'est que faire attention pour les enregistrements. Si vous avez quelqu'un, surtout pour les insuffisants cardiaques, ne pas traiter un SARS comme ça. Faire attention aux apnées centrales, aux chaînes Stokes, parce qu'on voit des patients qui ont des chaînes Stokes qui passent inaperçus avec des polygraphies et on considère comme ça, c'est tout simplement. Donc, faire attention dans ces cas-là. OK. Alors, je me permets de poser une question, en attendant, bien sûr, de poser les autres. Alors, dans la pratique courante, il y a un défi technique significatif quand même par rapport à l'enregistrement des enfants. Avec une réticence des enfants, parfois des parents, des adaptations parfois à retrouver par rapport à des capteurs, éventuellement l'impossibilité parfois de surveiller donc l'enregistrement chez l'enfant. Alors, dans quel degré une polygraphie surveillée, avec une polygraphie non surveillée, on peut avoir des variations concernant un enregistrement scoré visuellement? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'enregistrement surveillé versus non surveillé chez les enfants? Ça, je ne peux pas dire. Pour les enfants, moi, j'ai des enfants qui sont m'envoyés, qui ont des problèmes de malformation congénite, de pycnodystose, des Prader-Willi, chez qui ont des symptômes d'apnée obstructive du sommeil. Nous, on fait des polysomnographies. Pour ces patients-là, on ne s'aventure pas à faire des polygraphies. On fait des polysomnographies avec des capteurs adaptés à l'enfant. Bien sûr, parfois même, on va jusqu'à... Il y a certains cas où on associe la vidéo G parce qu'ils ont des problèmes d'épilepsie. On fait de la vidéo polysomnographique avec enregistrement continu pour détecter même des crises d'épilepsie, pas plus. Donc, c'est très particulier pour l'enfant, surtout pour le sommeil, pour le scoring du sommeil. Et c'est très difficile de savoir est-ce que l'enfant a dormi comme ça, s'il n'a pas dormi. Donc, il vaut mieux faire une polysomnographie pour s'assurer, parce que la polygraphie, ça reste sans sommeil, c'est difficile. Hein. C'est bien toléré chez l'enfant, ça se passe plutôt bien. Je suis assez d'accord avec monsieur, enfin, je suis tout à fait d'accord, comme toujours, avec monsieur Elbiaz, depuis le début de cet atelier, pour dire que les polysomnographies, c'est bien quand même chez l'enfant. On va rappeler que tous les critères de cotation d'événements là, que nous avons donnés aujourd'hui ne sont valables que chez l'adulte. Adulte, hein. Chez l'enfant, c'est complètement... Enfin, c'est très... C'est pas pareil du tout. Donc, ça ne concerne que l'adulte. Voilà. Mais bon, on peut rebondir aussi pour dire que c'est fréquent, les abîmes de sommeil chez l'enfant. Hein. C'est fréquent. Oui. D'accord. Alors, on a des patients qui... parce que les angines à répétition et les grosses amygdales sont fréquentes. Hein. Et donc, on a des patients quand même qui ont été traités parce que diagnostiqués de ça, et on les a sauvés parce que en faisant des amygdalectomies, ils ont récupéré. Donc, faites attention. Et c'est la période de développement pour l'enfant. Si on ne détecte pas le SARS précocement, on vous résoudrait des futurs SARS. Il y a des études qui montrent ça. Des SARS maltraités à l'enfance, où, c'est des grosses SARS lorsqu'on est adulte. À l'âge adulte. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, une autre question de la part de Dr Tan, c'est un pneumologue cambodgien. Alors, il pose la question par rapport à la particularité de la prise en charge de ça chez les obèses. La particularité La prise en charge de ça chez les patients obèses. Je profite de cette question qui nous vient du Cambodge pour remercier. Le président de la SMMR qui a ouvert ce congrès à l'ensemble de l'espace francophone. Bonjour le Cambodge. Alors la question, c'était chez l'obèse. Monsieur Elbiaz, vous êtes parti? Oui, vous avez dit la particularité de... Du traitement. Du traitement chez l'obèse. On commence... Allez-y. Oui, les meilleurs clients du SAS, ce sont les obèses. Les premiers clients du SAS, c'est les obèses. Bien sûr, il faut faire attention. Il n'y a pas que les obèses, bien sûr. Donc, il y a toutes les malformations anatomiques et morphologiques
qui sont aussi cause de certains abdominaux abscissionnés. Et donc, nous, il y a une prise en charge parallèle pour la prise en charge du syndrome d'apnée obstructive chez les hommes. Il y a une prise en charge parallèle par les diététiciens et nutritionnistes parce que c'est très important de savoir quelle est la part de l'obésité dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a un autre problème, c'est dans l'enregistrement. Si vous avez des obèses, très obèses, vous aurez des problèmes dans les sangles, dans les qualités des signaux dans les sangles. Il faut faire attention parce que vous pouvez rendre des obstructives, des apnées obstructives comme centrales, tout simplement parce que les sangles abdominales et thoraciques sont difficiles à analyser chez ces patients-là. Mais à part ça, il n'y a pas de grande particularité concernant le diagnostic du SAOS. Hein. Si vous avez des compléments, M. Sawez. Non, absolument. C'est tout à fait vrai pour les sangles, hein, il faut être prudent. Ensuite, pour le traitement en pratique chez l'obèse, on commence souvent en faisant une titration avec une PPC autopilotée. Et néanmoins, très souvent, ils sont mieux stabilisés avec une pression constante, souvent. Okay. Et donc, on fait une titration en mode autopiloté. On voit un peu à combien se stabilise la P90 ou la P95. Et puis souvent, on met 1 ou 2 cm au-dessus de cette P90 pour bien convenir les événements. Et c'est vrai, ça aussi, y compris chez les patients qui ont des syndromes hypoventilation, obésité hypoventilation, les PPC en mode constant marchent bien, presque aussi bien que les VNI, et mieux que les autopilotés. Ouais. Alors, une dernière question avant de clôturer pour ne pas trop amputer sur l'atelier suivant. Alors, le syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures. Alors, j'aimerais bien savoir, à travers votre recul, quelle est la prévalence de ce syndrome, parce qu'on a besoin de polysomnographie pour pouvoir le diagnostiquer. Dans les centres où il n'y a que la polygraphie, alors comment justement pouvoir diagnostiquer, rattraper justement ce profil de patients qui n'ont que le syndrome de résistance des voies aériennes en absence de critères d'apnée ou d'hypopnée, de syndrome d'apnée de sommeil, sachant que sa présence augmente la sévérité du syndrome d'apnée de sommeil. Monsieur Elbiage, comme vous voulez. Oui, le syndrome de résistance des voies supérieures, sa particularité, ce n'est pas dans le type d'événement, mais dans la durée de l'événement. C'est-à-dire que vous avez un phénomène qui dure dans le temps. Et si vous prenez une apnée, une hypopnée, c'est de l'intermittent. Mais par contre, dans le syndrome de résistance pure, je parle du syndrome de résistance pure, si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil avec quelques résistances, ça, ce n'est pas... un syndrome d'apnée. Et si vous avez un syndrome de résistance de voie supérieure pure, c'est plutôt la durée des phénomènes qui pose problème. Et puis, dans la polygraphie, vous n'avez pas la possibilité d'évaluer le retentissement sur le sommeil, donc les micro-EV. Donc, la polysomnographie est obligatoire pour évaluer le sommeil. Et je sais qu'en France, même pour la sécurité, c'est important d'avoir les micro-EV pour augmenter l'index d'apnée hypopnée. Et donc, et donc ça pose aussi problème pour le diagnostic. Et donc, on a eu affaire à des patients qui avaient des complications cardiovasculaires et qui n'avaient que du syndrome de résistance des voies aériennes supérieures. Et donc, c'est pas très symptomatique tout le temps. Ça peut être uniquement la somnolence d'urine qui est légère, modérée. Ça pose problème. Pour la prise en charge après, bien sûr, ça se discute en fonction, est-ce que le patient a une grosse comorbidité? Et là, on préfère quand même le mettre comme tous les patients PPC. Mais s'il n'a pas de grosse comorbidité, c'est plutôt l'orthèse d'avancée mandibulaire éventuellement qui se discute dans ces cas-là. D'accord. Alors, je rassure l'assistance qu'ils peuvent toujours poser des questions directement par chat via les orateurs. Et je vais être obligée d'arrêter cet atelier pour ne pas trop déborder sur le temps, tout en souhaitant aux chères assistantes qui sont derrière les écrans et qui ont suivi cet atelier pertinent. Et je remercie la clarté des orateurs, leur générosité, leur sens de partage. Et bonne suite de congrès et à la prochaine, Inch'Allah, en présentiel. Merci à vous. Merci, Dr. Soyez. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.
Merci à tous. Merci. Merci Franck, merci Sibiez. Merci Ousteda. Tawfiq. Et ça nous a fait plaisir d'avoir aussi des participants d'autres pays avec nous pour cet atelier. Safi, bonsoir. Je vois Cindyen. Madame Benalina a le téléphone. Et elle fait le micro ne marche pas. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Safi, Alan. Merci pour l'invitation, Safi. Merci d'avoir. Très bien. Cindyen. Simzien, Alan. Oui, oui, là, oui. Juste un petit mot, Simzien, Madame Benna. C'est bien oui. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc ça sera en quatre parties. Hein, diagnostic. En deux parties. C'est stylé. Vous avez sorti. Oui, en deux parties, d'accord. Pour ne pas abuser du tout. Il y a une partie diagnostic, une partie bilan d'extension. C'est ça. Si on a le temps, on pourra parler. Et bilan d'extension. Diagnostic exact. Et bilan d'extension. Si on a du temps, on parlera. D'accord. Donc, vous allez aborder la première partie, le diagnostic. Oui. Professeur Mizier. Donc, ça va être plus de 30 minutes alors. 30 minutes alors. 30 minutes pour chaque intervention. Comme ça, on laissera un peu de temps peut-être pour les orateurs, enfin, pour les questions. Participants pour les questions, c'est ça. Donc, vous allez commencer, si Mizier, tel ou là, tu derrière. Ça va, là, oui. Donc, on peut dire donc aux collègues, c'est-à-dire par des questions par écrit comme ça, on n'a pas beaucoup de soi. Voilà, je partage l'écran. D'accord. Voilà. Donc ici. Ça a commencé. Bienvenue les autres. Les gens disent. C'est pas ça. C'est quoi? C'est... Madame Baydir, ça a commencé? Bien sûr, vous pouvez commencer. D'accord. Vous avez commencé à ces studios. Bismillah ar-Rahim. Naam, Sidi. Allez, ces studios. Yalla, Amdaou. Nchoukallah. Bismillah ar-Rahim. Bien, bonsoir, chers amis. Perdu. Oui. On n'a pas de son. Là. C'est Stouli qui a perdu le son. Stouli a perdu. Stouli a un problème de connexion, de réseau. Il n'est pas au Maroc. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, vas-y, oui, vous m'entendez oui. Là? Allez-y, oui, allez-y. Très bien. Je voulais juste remercier, bien sûr, le comité d'organisation. La SMMR de m'avoir convié à modérer donc cet atelier qui sera autour de la TDM thoracique dans le concert pulmonaire. Cet atelier se déroulera en deux parties et il sera animé par le professeur Naïma El-Benna, bien sûr, qui est professeur de radiologie à la faculté de médecine de Casablanca et qui est entre autres chef de service de la radiologie à l'hôpital 20 août et également par notre ami le professeur El-Mizien. Donc, ça sera en deux parties, une partie diagnostic, une partie bilan d'extension. Sans plus tarder, donc, je vais passer la main à mon ami Elmzian, qui va nous parler, bien sûr, de l'apport diagnostique de la TDM dans le cancer pulmonaire. À vous, cher ami. Oui. Merci, monsieur le président, cher ami. Donc, merci à Séraphie, président de la SMR, de nous avoir conviés donc, avec notre ami, madame la professeure Naïma El-Benna, pour animer cet atelier. C'est la TDM thoracique dans le concert pulmonaire. Donc, un peu délicat, parler d'atelier en virtuel, mais on va essayer. Donc, on aurait aimé une interactivité beaucoup plus, disons, un contact humain beaucoup plus. Mais évidemment, la pandémie oblige. Là, en termes d'introduction, évidemment, je ne vous apprends rien, comme quoi le cancer bronchique, le cancer pulmonaire, que le plus fréquent au monde, le tabagisme, qui est le facteur causal en premier lieu, c'est la première cause de mortalité chez l'homme. Et le seul traitement à venir jusqu'à maintenant, jusqu'à 2021, c'est chirurgical. C'est vrai, il y a beaucoup de progrès en termes de chimiothérapie, mais le seul traitement curatif, c'est chirurgical. Le diagnostic précoce reste primordial
personne ne conteste la précocité donc, du diagnostic pour la qualité du traitement, la qualité de la survie. La symptomatologie clinique NRS non spécifique, n'a rien de spécifique. Et également, l'aspect en imagerie qu'on va analyser dans l'atelier n'a rien de spécifique. Ici, donc, je retrace l'épidémiologie donc, du cancer dans le monde, quoique ça remonte à 2016. Et vous voyez comme quoi l'importance de nouveaux cas au monde, 1,3 million, donc 1,3 million donc de nouveaux cas au monde, et pratiquement c'est l'homme, et ça représente une incidence de 35,5 cas pour 100 000 chez l'homme, et c'est la femme, 12,1, c'est la femme, mais ça ne fait qu'augmenter également aussi bien chez l'homme que chez la femme, du fait du tabagisme. Dans le registre du Grand Casablanca en 2016, ça reste le premier cancer le plus fréquent chez l'homme, puisque ça représente, dirons, 2762 nouveaux cas, et ça représente à peu près 11,4 pour tous les nouveaux cancers. Et également, comme on a vu dans le monde, chez l'homme, elle représente 32,8 cas pour 100 000, et chez la femme, une incidence de 3,4. Et si on aurait mis effectivement une interactivité, on aurait pu vous poser la question, voire même pouvoir répondre, quel est l'intérêt de l'imagerie dans le cancer bronchique? Est-ce que c'est un intérêt diagnostique, un intérêt de bilan d'extension, de choix thérapeutique, de surveillance, de dépistage? Évidemment, on pourrait très bien dire, effectivement, tous ces points sont des intérêts. Et c'est un intérêt diagnostique du fait comme quoi ça va permettre la caractérisation et permettre également la biopsie. L'imagerie également est contribue largement dans le bilan d'extension, et en particulier la classification TNM, qui va guider le choix thérapeutique. Et l'imagerie, elle contribue dans la surveillance de ces malades. Et comme si on a le temps également, le professeur Nain va nous parler du dépistage, donc, la place de l'imagerie dans le dépistage du cancer bronchique. Sûr et certain, effectivement, quel est l'objectif de cette prise en charge du cancer, c'est pour sélectionner les malades ou bien les candidats à la chirurgie. Comme on a dit, donc c'est le seul traitement curatif. Pour planifier l'intervention chirurgicale, pour planifier entre la chirurgie et la radiothérapie, évaluer le volume tumoral. Les techniques, donc on a recours à différentes techniques, des techniques non invasives, comme le scanner, donc, qui fait le sujet donc, de cet atelier. Évidemment, il y a la place de plus en plus importante de TEP, la tomodensitométrie par positron et également par l'IRM. Des techniques invasives telles que l'endoscopie, évidemment, ça veut dire soit la bronchoscopie reste un élément important pour le diagnostic, mais également d'autres endoscopes qu'on pourrait avoir recours, la médiastinoscopie, la vidéothoracoscopie et également les biopsies qui vont nous permettre d'avoir le diagnostic. Eh bien, en cas de suspicion de cancer bronchique, il y a deux impératifs, comme vous le concevez très bien, établir une certitude diagnostique, c'est l'histopathologie, comme on a l'occasion tout à l'heure dans la session du cancer, aussi bien avec le professeur Zerba, qui est également professeur Farcoli, dont parlons donc, du diagnostic donc, du cancer bronchique, et également aussi bien à l'étape imagerie que point de vue endoscopique, mais également histopathologique. Également, le deuxième impératif, c'est d'arriver à faire un bilan d'extension et évaluer le statut tumoral pour une meilleure stratégie thérapeutique. L'imagerie, certes, elle reste l'élément important dans cette prise en charge. Quels sont les moyens d'exploration? Évidemment, on pourrait se poser, c'est le cas qui est assez fréquent qu'on a chacun, aussi bien en secteur hospitalier qu'en secteur libéral. C'est le cas auquel on pourrait se poser. Un homme de 53 ans, un ex-tabagique à 35 paquets années qui est sevré depuis 5 ans, qui consulte pour des hémoptysies minimes à répétition depuis une dizaine de jours. Devant la suspicion de cancer bronchique, quel est d'après vous l'examen de première intention à réaliser? Est-ce que c'est une radiographie du thorax, la TDM thoracique, le PET scan, l'imagerie par résonance magnétique ou la bronchoscopie? Je vous laisse donc quelques secondes, vous avez déjà répondu. Disons, la réponse qu'on pourrait donner, évidemment, en tant que pneumologue, c'est d'abord la radiographie du thorax. Quoique, effectivement, certains qui vont passer directement à la TDM thoracique. Et on va effectivement assez des malades qui viennent nous voir, aussi bien au milieu hospitalier qu'au milieu libéral, que déjà dans le dossier,
comporte la TDM thoracique et il n'y a aucune radiographie thoracique. Quoique, donc, en tant que pneumologue, on défend toujours que la radiographie thoracique devrait être en première intention dans cette démarche. C'est vrai, donc, cette image, la radiographie thoracique qui va montrer différents aspects. Une opacité ronde, comme vous voyez donc à votre gauche, une opacité ronde axillaire gauche, ou bien une volumineuse opacité, comme donc une opacité ronde, cette énorme opacité ronde périphérique et hilo-axillaire. Ou bien il va prendre, réaliser ce qu'on a donc connu, donc, ça fait déjà plusieurs années, ce gros hile tumoral, réalisant une image en pâte de crabe avec un début de trouble de ventilation sous-jacent. Voir donc en bas, comme vous voyez, cette énorme masse tumorale à projection lobaire moyenne. La radiographie du thorax, comme je viens de dire, c'est le premier examen pratiqué en cas de suspicion de cancer bronchique, quoique ce n'est pas toujours le cas. Il permet le diagnostic positif du cancer. Ce n'est pas de certitude, mais ça, il va évoquer fortement le cancer. Et également, cette radiographie va permettre d'envisager le bilan d'extension loco-régional du cancer bronchique. Il va permettre le suivi évolutif sur le traitement, quoique ce ne va pas être le seul examen. La radiographie, donc l'imagerie du cancer, comme vous l'avez vu, elle est variable, mais même normale, il n'exclut nullement le diagnostic. La radiographie thoracique reste peu sensible quand même. Il va céder facilement la main à la TDM thoracique. Et également, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la radiographie thoracique, il contribue au dépistage, quoique évidemment, reste. Et si donc je vous procède, mais Madame Bina va sûrement donc développer beaucoup plus, comme quoi c'est une étude qui est très ancienne, qui a déjà une dizaine d'années, qui a retracé la comparaison entre la radiographie thoracique dans le dépistage et le scanner low-dose, qui va permettre effectivement, qui a contribué donc, dans une campagne de dépistage, donc de réduire la mortalité spécifique au cancer donc de 20%. La TDM thoracique, évidemment, reste un examen qui est en premier pour l'expression du cancer. Il doit être réalisé de façon impérative avant toute bronchoscopie, puisqu'il va guider les biopsies bronchiques. Différentes images également qu'on pourrait trouver, images d'atélectasie lobaire supérieure droite, comme vous voyez au haut et à gauche, et également soit une image comme dans cette coupe plane. Également, on pourrait avoir des aspects, des images en lacet de ballon, ou bien des masses excavées, comme ce que vous voyez, donc cette masse excavée, l'ovaire supérieur gauche. Parfois, c'est une image d'un nodule, évidemment, qui pose énormément de problèmes. Et tout à l'heure, professeur Zaba, donc, elle nous a tracé effectivement les difficultés donc, de l'étude de ces nodules et de leur surveillance. Et ici, donc, c'est une image d'un nodule du lobe supérieur droit, qui est adjacent à la petite fissure. Ici, donc, une image d'une tumeur qui va atteindre la bronchus avec une atélectasie du poumon. Et c'est également une autre tumeur qui envahit le médiastin. Et c'est donc, vous voyez donc l'importance et surtout le retard au diagnostic. Donc, le retard de consultation donc, qui rend déjà donc, des malades déjà à un stade T4. La TDM thoracique, on demande donc à nos amis confrères, radiologues, consoeurs, donc des reconstructions, mais qu'ils le font donc, de façon presque systématiquement, qui va permettre de détecter de petits nodules à distance de la lésion principale. Et également, donc, ici, les grandes règles, donc, on n'apprend rien, comme quoi c'est la TDM thoracique oblige donc, une acquisition depuis la région basicervicale et qui va inclure la région supraclaviculaire jusqu'au pelvis, le foie, les surrénales comprises. Évidemment, c'est important dans le cadre d'une gestion d'un cancer bronchique. L'injection du produit de contraste, évidemment, c'est intéressant, surtout dans le cadre donc, des hypertrophies ganglionnaires. Également, donc, il y a deux phases, mais je ne vais pas insister, ça c'est beaucoup plus d'ordre technique. Toutes les images acquises doivent être examinées aussi bien en fenêtre parenchymateuse, médiastinale qu'osseuse pour détecter d'éventuelles métastases osseuses. Parfois, effectivement, si le diagnostic par bronchoscopie n'est pas apporté, on pourrait avoir recours, la TDM va contribuer à guider une biopsie transpariétale, comme c'est le cas donc, de ce malade avec cette lésion au niveau du lobe supérieur et auquel donc, on va avoir, après la négativité à sous biopsie, de faire une biopsie scanoguidée,
comme c'est le cas ici. Oui. Quelle est la place d'autres, évidemment, quand on parle donc de la TDM thoracique, mais évidemment, on peut avoir recours à d'autres techniques, telles que donc, le PET scan, mais qui reste d'accessibilité encore limitée du fait de ce prix, comme actuellement, heureusement, donc, même dans les secteurs publics, donc les hôpitaux, en particulier différents CHU, disposent donc de PET scan qui permettent effectivement pour, d'indication pour les patients qui seront donc candidats à un traitement curatif en particulier chirurgical. Ça permettra d'étudier mieux les atteintes ganglionnaires, également certains nodules. Et c'est donc c'est un cas personnel, effectivement, d'un malade qui se plaignait d'amaigrissement durant une année. Et c'est donc la dysphonie qui va faire révéler donc, cette masse au niveau de l'ovaire supérieur gauche, surtout donc une tumeur, donc la bronchoscopie montrait une tumeur infiltrante et bourgeonnante du culmen. Et c'est dans le bilan d'extension qu'on va avoir. Donc, comme vous avez constaté déjà tout à l'heure, c'est pour revenir comme quoi, au niveau du scanner, vous notez déjà donc, du côté droit des certains nodules qui vont être confirmés par le PET scan en montrant effectivement qu'à côté de la lésion principale à gauche, les lésions à droite, contralatérales, sont également hypermétaboliques. Et également, malheureusement, ce malade également présente une grosse nodule surrénalien droit. Donc, vous voyez donc déjà ce malade qui arrive déjà à un stade donc 4, donc très tardif dans l'évolution de cette maladie. Et ici, donc, c'est un deuxième cas personnel, effectivement, d'une femme de 64 ans, donc pour des céphalées qui va dans le bilan révéler ce nodule, l'ovaire supérieur gauche, et qui va donc dans le suivi. Donc, le PET scan n'est pas hypermétabolique, et donc, il reste encore donc, indéterminé jusqu'à ce stade. Quelle est la place donc, de l'imagerie associée dans le cadre donc, de cette gestion? Vous voyez comme quoi c'est un peu, je sors de temps en temps du cadre donc, de la TDM, qui est notre, donc, le sujet principal de l'atelier, mais il reste comme quoi l'imagerie par résonance magnétique, les résultats restent équivalents à ceux de la TDM, mais également c'est intéressant dans l'évaluation de la tumeur, l'extension ganglionnaire, en particulier pour du tumeur de l'apex, dans le cadre de pancostobias, pour voir donc les parties molles, le plexus brachial et l'extension au vaisseau sous-clavier, donc les suspicions d'extension au rachis. Donc, toutes ces tumeurs envahissant le médiastin avec suspicion d'extension au cœur, au gros vaisseau, l'IRM reste très intéressante. Ça veut dire soit, donc pour arriver donc comme quoi, à arriver de faire la bronchoscopie, pas tellement comme le sujet, parce que c'est elle qui va faire les biopsies pour arriver à avoir un diagnostic de certitude histopathologique. La bronchoscopie virtuelle pour citer, mais ce n'est pas important dans ce cadre-là. Donc, selon les histologies, en distinguant les carcinomes à petites cellules et non à petites cellules, il y a différents aspects au niveau radiologique, en particulier l'adénocarcinome qui se présente sous forme d'un nodule, une masse isolée et périphérique. Donc, je ne fais que répéter ce qui a été déjà dit tout à l'heure dans la session du concert, un nodule isolé, des signes qui suggèrent donc la malignité, une taille supérieure à 1 cm de contour spiculé, un contenu hétérogène, et surtout donc la persistance, la progression sur des imageries successives qui va plaider en faveur de la malignité et également arriver donc au diagnostic par la biopsie, comme ici donc qu'on aura recours souvent donc, à l'IBUC scanoguidé, comme c'est dans le cadre de cet adénocarcinome, un nodule apical gauche, qui est moins de 1 cm, avec déjà une adénopathie hilaire. Et également, c'est ici donc un cas où des amygdalomatoses cérébrales qui va révéler cet nodule en rapport avec un adénocarcinome. Les carcinomes hyperdermoïdes se manifestent beaucoup plus par des masses généralement centrales, excavées et nécrotiques. Cependant, il y a parfois il y a des images qui vont faire confusion avec le cancer bronchique. C'est le cas des lésions inflammatoires, infectieuses, qui peuvent se présenter comme des néoplasies bronchopulmonaires. Je vais les illustrer par ces images, aussi bien par des images en rapport avec des foyers caseux, tuberculeux, qui posent parfois des diagnostics différentiels, surtout des sujets âgés, gros tabagiques. Également, l'actinomycose, également qui donne parfois donc une confusion avec donc des images de cancer, mais quoi qu'il en soit, c'est l'histologie qui va faire le diagnostic. C'est pour dire comme quoi dans l'imagerie, en particulier la TDM, comme on l'a dit, donc c'est à côté du côté diagnostic, mais également il va contribuer largement dans le bilan d'extension
basé sur la classification TNM et la certification timorale. Et va, donc, c'est elle qui, donc, elle se fonde sur la classification. Il va guider le soin thérapeutique, le suivi des patients dans le temps. Et également, on se base sur cette nomenclature TNM qui est standardisée pour parler donc que ce soit des malades comparables. Évidemment, ceci s'inscrit carrément dans le cadre donc, de cette classification TNM. Donc, je vous présente. Et sans trop tarder, je donne donc bien, je laisse la parole pour le bilan d'extension à notre ami professeur Naïm Adna pour la suite. Merci. Merci, Salim. J'arrête le partage. Je rappelle que c'est un atelier et donc les questions peuvent être posées à n'importe quel moment. Moi, je ferai un plaisir de vous les transmettre. Il y a eu juste la question que vous avez posée au Sénésien. Il y avait deux réponses concernant soit commencer par la radio, soit par le scanner. Ben, c'était du 50-50. Il y a une réponse pour le radiothoracique et une réponse pour le scanner. D'accord. Voilà. Maintenant, je passe la main au professeur Albenna qui va nous parler donc du bilan d'extension. Et parce qu'il y a deux questions qui se posent, mais je pense que c'est à elle de répondre. Et c'est après son topo. Voilà. Très bien, c'est comme vous voulez. À vous, professeur Albenna. Faire la différence d'un nodule, comment faire la différence d'un nodule d'origine cancéreuse ou infectieuse, et également comment vous faites quand il s'agit d'une insuffisance rénale, comment est-ce qu'il faut injecter ou pas. Voilà, c'est pour ça que je préférais laisser ça à la fin. Je vais répondre à cette deuxième question avant d'entamer, parce que c'est une question d'ordre technique pour les radiologues. Effectivement, quand il y a une insuffisance rénale, c'est une contre-indication, mais c'est une contre-indication relative. C'est-à-dire que quand on a… Relative, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'allergie aux produits de contraste, ce n'est pas comme, mettons, la grossesse, par exemple, ou quelque chose. Alors, quand on a une insuffisance rénale, ça dépend du degré d'insuffisance rénale et de sa chronicité. Quand c'est un malade chronique qui est déjà dialysé, on peut programmer le scanner juste avant la dialyse et ça ne crée pas de problème, ça ne devient plus une contre-indication. Et quand c'est un patient qui a des chiffres de créatinine qui sont un peu élevés, sur avis du néphrologue, souvent, il donne au patient un schéma d'hydratation avant et après le scanner et ça nous permet quand même d'injecter le patient avec une dose minimale pour ne pas pour préserver le capital rénal chez ce patient. Et parfois aussi, quand on n'arrive pas à injecter, dans de rares cas, on arrive à se débrouiller aussi sans injection de produits de contraste, parce que parfois, sur des tumeurs qui sont volumineuses, qui ont déjà envahi le médiastin et tout, on arrive à voir les structures. Donc, ça reste une contre-indication relative, et donc il faut discuter avec le radiologue pour voir est-ce qu'on peut s'en sortir ou est-ce qu'il faut absolument injecter. Voilà, c'était pour celle-là, et puis je l'ai... C'est très important, peut-être, voilà. Oui, et donc je vais... Tout à fait, c'est très important que vous l'ayez précisé. Exactement. Et il faut penser à la filtration glomérulaire, c'est à la clearance de la créatinine, c'est ça qui est important, et surtout la concertation, c'est-à-dire une créatinine un peu élevée ne contre-indique pas une injection, et ça c'est très important. Voilà. Elle ne contre-indique pas maintenant, elle engage la responsabilité du radiologue. Donc, il faut absolument celui qui injecte. C'est ça, on a exactement. On a ce problème-là, effectivement. Le capital néphronique du patient. Exact. Tout à fait. Mais comme vous l'avez bien cité, il y a un protocole avec son néphrologue, un protocole de réhydratation, mais on ne l'empêchera pas de faire son examen injecté. Voilà. Voilà, et donc je vais... À vous maintenant de nous parler de l'extension. Je vais enchaîner sur le bilan d'extension pour rester un peu cohérent après ce qu'a fait le professeur Mvienne. Je suis sur diaporama, vous arrivez à voir mes pots? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, professeur Mzien a parlé un peu du diagnostic, de l'aspect des nodules, des difficultés diagnostiques. Alors, quand on a des aspects qui sont évocateurs comme ça, par exemple, quand on a une atélectasie avec une atélectasie lobaire,
quand on a une grosse masse qui est de contour spiculé avec un nodule satellite ou quand on a une masse périphérique qui envahit ici l'espace intercostal et donc la paroi, pour nous, ça ne fait aucun doute. Et donc, il faut entamer d'emblée sur ce scanner et le diagnostic, bien sûr, et le bilan d'extension. Donc, on ne va pas reprendre le patient pour un bilan d'extension. Et donc, c'est pour ça que le scanner doit être d'emblée injecté. Et on va entamer le bilan d'extension. Alors, le bilan d'extension pour nous, radiologues en scanner, c'est quoi? C'est établir la classification TNM. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que chaque compte rendu de radiologie doit finir, doit conclure avec une classification TNM. Bien sûr, cette TNM peut être parfois, peut attendre d'autres examens complémentaires, notamment une médiastinoscopie, une nébuse ou une TEP, mais déjà à l'étape scanner, il faudrait qu'on ait une idée sur la classification TNM parce que dans sa majorité, c'est une classification qui est radiologique. Qu'est-ce qu'elle permet cette classification TNM? Elle va permettre de voir c'est quoi les possibilités chirurgicales, donc le bilan de résicabilité de la tumeur, et de là, donc, elle aura une implication directe sur les indications thérapeutiques, chirurgie, ou radiothérapie, chimiothérapie concomitante, ou chimiothérapie néoadjuvante, puis chirurgie, puis autre chose. Et donc, le bilan d'extension optimale, c'est quoi? C'est la TDM thoracique. TDM thoracique, quand on peut se permettre de faire une TEP chez ce patient et une IRM cérébrale ce trio-là, c'est le trio optimal pour un bilan d'extension chez un patient qui va bénéficier surtout d'un traitement radical, c'est-à-dire chirurgie ou radiothérapie curative. Par exemple, pour une tumeur de l'apex, une radiothérapie curative, là aussi, on va faire une TDM, une TEP pour une TDM pour le bilan local et régional, une TEP pour le bilan des métastases à distance et une IRM cérébrale parce que les métastases cérébrales échappent à la TDM. On a dans notre contexte des patients qui ne peuvent pas se permettre la TEP et l'IRM cérébrale qui restent coûteuses et qui sont et que c'est des patients qui ne sont pas toujours qui n'ont pas toujours une couverture sociale, on peut à ce moment-là faire une TDM thoraco-abdominopelvienne avec étude osseuse et faire aussi une scintigraphie osseuse et un scanner cérébral. Mais sachez que l'optimal, c'est la TDM thoracique, la TEP et l'IRM cérébrale. Donc, la nouvelle classification TNM, elle date quand même de 2016. Elle devient un peu ancienne maintenant. On s'attend à un changement dans les années à venir. C'est la 8e édition et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la TNM? Donc, comme vous le savez, tumeur adénopathie et atteinte métastatique. Donc, la tumeur, c'est essentiellement l'étendue de la tumeur, donc sa taille et l'envahissement des structures voisines. Les ganglions, c'est d'abord leur topographie, parce que dans la classification TNM du poumon, contrairement à d'autres sites tumoraux, on ne parle pas de nombre de ganglions, on parle uniquement de leur topographie, de leur siège. Et puis, l'atteinte métastatique. Donc, quand on parle du statut T, donc la taille et l'extension, c'est la taille de la tumeur, c'est l'atteinte de l'arbre bronchique, c'est la présence d'atélectasie, l'extension par contiguïté aux éléments du médiastin ou à la paroi, et la présence de nodules satellites. Donc, cette classification, la nouveauté de cette 8e édition, c'est qu'elle a vraiment fait la différence par des paliers de 1 cm, c'est-à-dire que 1 cm fait grimper en pronostic, en mauvais pronostic, on va dire. Donc, le T1, c'est les nodules qui sont inférieurs à 3 cm avec à chaque cm un stade. Le T2, c'est entre 3 et 5 cm, et là aussi, séparé en deux stades en fonction, à chaque fois avec un palier de 1 cm. Et puis, le stade T3, entre 5 et 7 cm. Et la nouveauté, c'est qu'on classe maintenant T4 plus de 7 cm. Avant, il n'y avait pas de critère de taille pour le T4. Maintenant, le simple fait que la tumeur mesure plus de 7 cm, la classe T4, et donc elle devient non chirurgicale tout de suite. Donc, ça veut dire qu'elle doit bénéficier éventuellement d'une chimiothérapie néoadjuvante. Donc, on va illustrer ça par image. Donc, comme on a dit, c'est le nodule. C'est les nodules. Donc, le T1A, c'est ce petit nodule-là, par exemple, qui mesure moins de 1 cm. Le T1B, c'est un nodule qui mesure moins de 2 cm. Et le T1C, c'est un nodule qui mesure moins de 3 cm. Excusez-moi, je vais juste enlever
Oui, voilà. Alors, le T2, c'est une tumeur qui mesure plus de 2 cm, mais plus de 3 cm, mais moins que 5 cm, avec une atteinte bronchique sans atteinte de la carène. Et notez qu'il n'y a plus le palier de plus de 2 cm ou moins de 2 cm pour la carène, c'est atteinte de la carène tout court. Atélectasie ou pneumonie obstructive, l'obermie qui peut aussi être pulmonaire, tout le poumon, qui peut toucher tout le poumon, mais sans atteinte de la carène toujours. Donc, c'est la carène qui fait la différence. Ou alors une atteinte de la plèvre viscérale. Par exemple, là, on a une tumeur qui mesure moins de 4 cm. C'est un T2A, puisqu'elle n'arrive pas. Il faut mesurer dans la fenêtre parenchymateuse sans prendre les spicules et sur la coupe qui nous montre le plus gros, le diamètre le plus grand. Donc, pour bien mesurer, il faut vraiment zoomer l'image en fenêtre parenchymateuse et pas en fenêtre médiastinale et prendre la tumeur elle-même, ce qui est solide et pas les spicules. Et puis là, vous voyez là, on n'a pas pris cette ombilication pleurale dans la mesure et donc c'est une tumeur de moins de 5 cm. Donc c'est un T2B, une atélectasie lobaire. Et là, la mesure de la masse, elle est difficile parce que c'est vrai qu'on peut deviner que la tumeur, elle est là et l'atélectasie est là, mais parfois, ce n'est pas tout à fait facile. Et là, la TEP, elle aide parfois pour vraiment voir la zone qui fixe, qui est là. Et ça, c'est la télectasie qui ne va pas fixer. Ou une atteinte de la plèvre viscérale, comme c'est le cas ici. Le T3, c'est les tumeurs de l'apex qui sont d'emblée classées T3. C'est l'atteinte de la plèvre pariétale, comme ici. On voit très bien que la tumeur, elle atteint même la paroi, et donc une atteinte de la plèvre pariétale d'emblée. Une atteinte de la paroi, comme ici, c'est très subtil, mais il faut faire très attention, surtout sur ces épaississements qui peuvent être au niveau de l'apex et qu'on peut confondre avec un épaississement de la coiffe pleurale. Le signe le plus important qui nous aide, même nous radiologues parfois, c'est la présence de la douleur qui peut révéler ici si on ne fait pas attention, on peut rater ce genre d'image, mais c'est une lyse costale qu'on voit ici et qui est très subtil, ou une masse avec un nodule satellite. Là, donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, la mesure qui se fait toujours sur la fenêtre parenchymateuse et en prenant le plus grand axe. Le T4, donc une tumeur déjà qui mesure plus de 7 cm sur son plus grand axe. Là, elle envahit, on peut dire qu'elle envahit la paroi. Mais donc l'envahissement de la paroi va la classer T3, mais c'est sa taille qui la classe. Qu'est la classe 7 cm, la présence d'un nodule dans un autre lobe mais qui reste homolatéral, ou alors l'atteinte du médiastin, les éléments du médiastin. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi l'élément qui est touché, qui va classer T4? J'attends les réponses. Je ne vois pas de réponse. Yeah. Moi non plus. Moi non plus. Ah, pardon. Ah, ici, c'est la vertèbre. C'est le corps vertébral qui va classer la tumeur T4. L'atteinte de la paroi va classer T3. L'atteinte de la paroi, c'est-à-dire les côtes, va classer T3. Mais l'atteinte d'un corps vertébral va placer T4. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des difficultés chirurgicales pour enlever la vertèbre et pour être radical à ce niveau-là. Ici, c'est quoi l'autre élément qui va classer T4? Je ne sais pas s'il y a des réponses. D'accord, je vais avancer. Je n'en vois pas non plus. Je n'en vois pas non plus. Alors, c'est l'œsophage cervical. L'œsophage cervical, on a ici la trachée, on a l'œsophage. La tumeur, elle arrive jusqu'au contact de la partie postérieure de la crosse de l'aorte. Mais ici, l'œsophage, on n'arrive plus à le voir. Il n'y a plus de liseré de séparation avec l'aorte à ce niveau-là. Donc, l'œsophage cervical est complètement englobé. Et là, on a une énorme tumeur qui envahit ici l'oreillette gauche, donc un envahissement intracardiaque. Donc, ce sont des tumeurs qui sont localement très avancées. Là, c'est un cas qui ressemble au cas qu'a présenté professeur Mzienne ici. Alors là, on est au niveau cervical, on est au niveau du cartilage thyroïde et on note cet aspect de paralysie de la corde vocale gauche. Quand on a une paralysie de la corde vocale gauche, sans qu'on sache qu'il y a une tumeur,
il faut toujours descendre sur le scanner jusqu'au niveau de la fenêtre aortopulmonaire. Déjà, quand l'ORL nous adresse un patient pour une dysphonie avec une paralysie de la corde vocale gauche, parce qu'on sait que le nerf récurrent, il passe au niveau de la fenêtre aortopulmonaire, et il faut explorer cette région parce que cette atteinte de la corde vocale gauche, elle est liée à cet envahissement du nerf récurrent au niveau de cette fenêtre aortopulmonaire. Là, il avait une volumineuse tumeur qui envahissait là aussi cette fenêtre aortopulmonaire, mais c'est juste de dire que souvent, vous avez des patients qui viennent pour dysphonie. Il faut, pour nous, quand on sait que c'est une paralysie de la corde vocale gauche, il faut absolument descendre jusque-là et faire uniquement une TDM cervicale. Là, on a une énorme tumeur qui englobe ici tout le bord droit de la trachée qui est déformé, qui est refoulé, déformé, avec un envahissement médiastinal très important. Là, ici, c'est le tronc de l'artère pulmonaire droite. Regardez, elle est englobée, elle est laminée, elle est réduite de calibre avec la tumeur qui l'englobe sur 360 degrés pratiquement. Et on n'a plus qu'un petit filet au niveau de la veine cave supérieure qu'on voit ici sur une coupe coronale oblique. Donc, on a un envahissement de la veine cave supérieure qui continue quand même à circuler puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de syndrome cave supérieure, mais elle est envahie puisqu'elle est englobée là aussi. Notez qu'il y a un épanchement pleural là aussi. Et là, une tumeur qui englobe la région, la carène sur 360 degrés là aussi. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement? Ce qui a changé sur cette nouvelle classification? Oui, il y avait une atteinte, le diaphragme faisait partie des T3, l'atteinte du diaphragme faisait partie du T3. Sur cette nouvelle classification, on s'est rendu compte que c'était un mauvais pronostic, l'atteinte du diaphragme, et donc ils l'ont classé T4. Cette distinction entre trois stades du T1 et en deux stades du T2 avec des paliers de 1 cm chacun, qui veut dire qu'il y a un pronostic différent de chaque augmentation de volume, même à 1 cm. Et puis l'atteinte de la bronche souche, maintenant qui est classée T2, alors qu'avant on parlait de plus de 2 cm de la carène ou de moins de 2 cm de la carène. Donc voilà pour le T. Alors pour le N, vous le savez, donc l'atteinte ganglionnaire s'est classée soit en atteinte homolatérale hilaire, soit en médiastinale homolatérale ou en contralatéral. Et là, l'atteinte ganglionnaire au niveau du scanner, ce n'est pas toujours très simple. Parce que quand on a des volumes d'adénomégalie et d'adénopathie qui sont comme ça, il n'y a aucun doute et on est sûr que c'est tumoral parce que c'est un ganglion, c'est une adénopathie qui est augmentée de volume, qui est nécrosée, qui a pris le contraste en périphérie, qui est de contour irrégulier ici, toutes les deux d'ailleurs au niveau de la loge de Barretti. Donc là, il n'y a pas de doute et on peut dire que c'est une adénopathie tumorale. Mais parfois, nous, en scanner, comment on classe les ganglions? C'est par volume, c'est-à-dire c'est un aspect morphologique. Dès qu'on a un ganglion dont le petit axe est plus de 10 mm, on parle d'adénomégalie. Or, on sait très très bien que les adénomégalies peuvent être au niveau du médiastin du fait d'une inflammation, d'une infection, du fait d'une sarcoïdose surajoutée, d'une tuberculose ancienne, d'un ganglion séquelaire calcifié, de beaucoup de choses. Et donc, parfois, on a des faux positifs et on a aussi des faux négatifs parce qu'on peut avoir des ganglions qui sont petits, mais qui sont avec des micrométastases. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'acharner à avoir une preuve anatomopathologique, bien que nous, on vous dit adénomégalie médiastinale, pour ne pas, pour donner aux patients toutes les chances d'être traités, surtout quand on s'est à N2 ou N3 sur une tumeur qui est résectable. Donc, c'est pour ça que le scanner va garder un autre intérêt, c'est de guider la médiastinoscopie ou de guider les bus pour avoir une preuve histologique sûre. Alors, la TEP, dans ce contexte, elle aide parfois, mais elle a une spécificité qui avoisine les 95%, ça c'est dans les séries étrangères, mais chez nous,
il y a quand même beaucoup de ganglions qui fixent à la tête et qui se retrouvent parfois inflammatoires, parce qu'on a beaucoup de maladies inflammatoires, d'antécédents de tuberculose, des granulomes anciens et beaucoup de choses comme ça. Mais elle a une très bonne valeur prédictive négative, parce que quand ça ne fixe pas, on est rassuré et on se dit que c'est pas un ganglion tumoral. Donc, la classification ganglionnaire, je ne vais pas vous la dire parce que c'est un peu compliqué, on n'aura pas le temps. Mais c'était surtout pour dire que le scanner va nous aider donc à détecter les adénopathies et à cibler ces adénopathies par soit médiastinoscopie, par ébus en fonction des sites atteints. Parce qu'il y a des sites qui sont plus accessibles à la médiastinoscopie et d'autres qui sont plus accessibles à l'ébus pour un bilan, pour un staging pré-thérapeutique invasif. Alors, pour illustrer, pour faire un petit quiz aussi, alors ici, on a un ganglion qui est augmenté de volume au niveau de la loge de Barrett. Il a l'air tumoral, il est gros et on a une grosse masse. Alors, comment on va classer ça? La tumeur, elle est classée. Déjà, sur le critère taille, elle doit mesurer plus que 7 cm, donc elle est classée T4. Il y a un envahissement de la côte. Oui. T4. Et puis, il y a une érosion aussi de la vertèbre, une érosion de la vertèbre. Donc, deux critères pour la classer T4. Et puis, une adénopathie médiastinale et homolatérale. Donc, c'est un T4 N2 ici. Une adénopathie sous-carinaire chez ce même patient. Donc ici, la sous-carinaire, elle est classée N2 aussi. La sous-carinaire est considérée comme homolatérale. Que ce soit à droite ou à gauche, elle est classée comme homolatérale. Alors, une adénopathie contralatérale va classer… Il y a eu deux réponses en cette faveur. Pardon? Oui, N2, T4, N2, très bien, oui, c'est ça. Il y a eu deux réponses en faveur. Voilà, T4 et N2, il y a eu deux réponses. T4, très bien, très bien. Très bien, c'est bien. C'est très bien. Donc ici, on a un petit ganglion médiastinal antérieur et on a des adénopathies qui sont contralatérales à la tumeur. Alors la tumeur, si on se dit qu'elle mesure 5,5 cm, si elle mesure 5,5 cm, ça serait un T3. Parce que c'est les mesures plus de 5 cm. Donc, un T3 et avec des adénopathies contralatérales, c'est un N3. Alors, c'est ce genre de patient, c'est chez qui, parfois, quand ce processus est résécable, il faut aller vraiment vérifier si ça, c'est un ganglion tumoral. Parce que pour donner au patient toutes ses chances. Alors, le statut M, c'est les métastases, donc métastases qui peuvent être intrathoraciques. Et là aussi, la différence a été faite sur cette dernière classification pour différencier entre les oligométastatiques, c'est-à-dire métastases uniques, extrathoraciques, et les métastases intrathoraciques, et puis les métastases extrathoraciques multiples, parce qu'il y a une différence de survie, de pronostic qui est importante entre ces différents profils. Donc, les métastases intrathoraciques, c'est la présence d'une pleurésie ou d'une péricardite, mais prouvée maligne, c'est-à-dire par cytologie ou par biopsie, pleurale ou péricardite, la présence de nodules pulmonaires ou pleuraux qui sont non équivoque, c'est-à-dire tumoraux non équivoques, nodules multiples qui sont volumineux, ou des nodules pleuraux qui sont volumineux aussi et qui prennent le contraste, ou la présence d'un nodule contralatéral. Et là aussi, je veux attirer l'attention, c'est parce que parfois, il ne faut pas surestimer les micronodules contralatéraux, parce que parfois, on retrouve dans les RCP micronodules de 3 mm contralatéral et donc on classe métastase. Il faut vraiment faire très attention avant de classer métastase un patient qui a toutes ses chances d'être traité de manière radicale, se concerter, demander avis et puis voir si c'est un micronodule, faire tout ce qu'il faut, quitte à aller chercher ce nodule et vérifier son histologie avant de contre-indiquer la chirurgie.
Le MMB, c'est une métastase extra-thoracique unique. L'exemple type, c'est une masse pulmonaire et une masse surrénalienne. Alors, quand la masse pulmonaire peut être réséquée, la masse surrénalienne pourrait être réséquée aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le profil oligométastatique. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Parfois, il y a eu des patients chez qui on a pu faire une chirurgie de la surrénale, une surrénalectomie et une lobectomie pour une masse pulmonaire tumorale. Alors, et le M1C qui est les métastases multiples qui peuvent toucher le même organe, par exemple des métastases osseuses multiples, deux surrénales, des métastases hépatiques, cérébrales multiples, autre chose, et qui a un profil qui sont d'un autre pronostic qui est déjà fâcheux. Donc, le M1A, pour illustrer, épanchement péricardique, épanchement pleural. Nodule pleural, là, ici, non équivoque, c'est un nodule qui est d'allure métastatique. Un pneumothorax, vous savez très très bien, vous pneumologues, que le pneumothorax peut révéler une tumeur et peut révéler aussi des métastases. Et là, regardez, il y a des nodules qui sont dans la pèvre pariétale, des nodules au niveau du poumon, un épanchement pleural liquidien et un pneumothorax. Donc, ça peut être aussi, ça peut révéler des métastases. Donc, on parle bien sûr de nodule pulmonaire controlatéral et pas d'un nodule pulmonaire homolatéral qui va classer la tumeur T4 et pas métastatique. Le M1B, c'est une métastase extra-thoracique unique, comme ici, une métastase surrénalienne sur un processus tumoral. Là, il est énorme et donc il ne va pas être réséqué. Mais comme j'ai dit, si c'était une petite tumeur, on pourrait envisager éventuellement la chirurgie double au niveau thoracique et abdominal. Et le métastase multiple, comme là, les deux surrénales, épanchement pleural, nodule pleural, métastase hépatique, métastase cérébrale et métastase osseuse. Juste, j'insiste, j'ai exprimé ici cette image parce que cette partie du cerveau, on ne va pas vraiment l'étudier en scanner. Et donc, sachez que l'IRM est quand même beaucoup plus fiable pour détecter les métastases cérébrales. Voilà, donc la TDM thoracique en cas de présence de symptômes devrait être réalisée dans le but de faire le diagnostic pour chercher à caractériser, mais aussi le bilan d'extension pour une prise en charge rapide et appropriée. Et j'insiste beaucoup pour la RCP parce que c'est la RCP qui va décider en collégialité des examens complémentaires à faire. Est-ce que ce patient va avoir un traitement et donc il va nécessiter de faire un bilan d'extension optimal et une conduite ultérieure, par exemple une médiastinoscopie, une ébus ou carrément une chirurgie pour diagnostic et thérapeutique. Voilà pour cette partie et je me ferai un plaisir de répondre aux différentes questions. Et si on merci, a plus de merci. Temps, on peut oui, continuer on peut. Le dépistage. Exactement. Merci, professeur Benna. Alors, il y a quelques questions, elles ne sont pas nombreuses, il y en a 4 ou 5. Je me ferai un plaisir de vous les transmettre. Que vous pensez bien, elles sont toutes pour vous, parce que le sujet concerne quand même la TDM thoracique, donc la radiologie. Mais moi, j'ai un autre avis, mais ça, on discutera après. Alors, la première question, c'est comment vous gérez l'exposition au rayonnement? C'est-à-dire, bon, grosso modo, combien de scanners on peut faire sur une année? Au fait, quand on a le diagnostic de cancer du poumon, on n'a pas besoin de plusieurs scanners. Il faut rapidement le prendre en charge pour ne pas avoir à refaire les scanners. Je parle en pratique. C'est-à-dire que... Oui, oui. C'est-à-dire que, oui, on peut être amené à refaire le scanner... Ce qui arrive souvent, malheureusement, à cause des problèmes de prise en charge rapide, c'est-à-dire que le patient consulte, il fait le premier scanner, puis il est perdu de vue. Et donc, après, avant le traitement, on est obligé de lui refaire le scanner. Mais c'est une situation qui est exceptionnelle.
C'est pas le cancer du poumon chez qui on demande le plus de scanners. Par exemple, les lymphomes ou les par exemple, c'est les patients sous chimiothérapie chez qui on demande le plus de scanners. Et souvent, on va jusqu'à 4-5 scanners par année s'il le faut. S'il le faut, on fait. Exactement. L'exposition est faible quand même. Excusez-moi, je tiens à. Je vais rebondir sur une chose. Parfois, on retrouve sur les. Excusez-moi de le dire, sur les ordonnances, scanner moins C plus C. Ça, c'est mauvais. Je suis désolée parce que il faut. Ça ne sert à rien de. Si on va injecter, ça ne sert à rien de faire le moins C. C'est des rayons en plus. Exact. D'accord. Donc, il faut laisser le radiologue gérer. Et puis, ne pas dire. Bien sûr, et c'est à vous, bien sûr. Si exactement, c'est à vous de juger, bien sûr. Il va faire moins C plus C. Exactement. Ça, c'est des doses de rayons qui sont inutiles. Exactement, c'est à vous de juger. Vous faites une petite fenêtre, un petit passage, c'est moins sur la zone suspecte. Puis après, vous injectez, vous faites le scanner. On l'a fait sur les surrénales parfois, et juste pour voir la densité des surrénales, quand on doute sur un nodule surrénalien. Tout à fait. Tout à fait. Alors, une autre question. Est-ce que la COVID-19 a modifié un peu l'aspect des images, notamment les verres dépolis, etc. Voilà. À vrai dire, c'est studié. Le COVID. Oui. Le COVID, il a retardé le diagnostic des cancers, plutôt. Tout à fait, mais moi, sur l'aspect radiologique, la plupart des malades, vous l'avez vu dans les collègues pneumologues, ils ont vu des cancers à un stade évolué, puisque les malades étaient confinés et n'ont pas consulté à temps. C'était l'année dernière. Parfois, maintenant, on voit des cancers qui sont découverts à l'occasion du COVID. C'est vrai. Maintenant, je vais faire Mme Naïma. Mais la pertinence de la question, la pertinence de la question était. Dans ce temps de COVID, des images, par exemple, de verres dépolis, des images, par exemple, de... Est-ce que ne font pas erreur, justement? Vous voyez? C'est ça, la pertinence de la question. Est-ce que, parce que maintenant, on a tendance un peu à prendre tout verre dépolis comme étant du COVID, alors que ce n'est pas forcément vrai. Alors, si vous permettez, alors, le COVID, il a retardé la prise en charge Madame des Benna, cancers qui est... Oui. Oui. Alors, le COVID, il a effectivement retardé la prise en charge des patients qui avaient des cancers, on va dire, évolués, déjà là. Par contre, il a fait découvrir pas mal de nodules qui se sont avérés tumoraux, c'est-à-dire des adénocarcinomes qui ont été opérés à la suite, qui ont été découverts. C'est des nodules qui ont été de découverte fortuite. Et donc qui ont été opérés à temps et qui sont des nodules tumoraux, souvent des adénocarcinomes d'ailleurs, chez des femmes et des hommes, et qui donc il a en quelque sorte rendu service à ses patients. Le fait que l'aspect en verre dépoli cache le diagnostic du cancer, pas tellement, parce que les images du COVID changent rapidement. Elles disparaissent pas totalement, mais elles changent. Et donc, l'aspect en verre dépoli, et puis l'aspect en verre dépoli, c'est des nodules généralement qui ne changent pas rapidement. Donc, le fait de suivre un nodule en verre dépoli pendant toute la période COVID n'a pas vraiment altéré la prise en charge de ce nodule. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que c'est un peu... Docteur Stouli? Non, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que c'est tout à fait clair. La surveillance, bien sûr. La COVID, elle bouge, elle bouge. Le cancer, beaucoup moins. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc il y a pas eu de risque vraiment de sous-estimer un cancer cause du COVID, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que le COVID a fait détecter des nodules. Des nodules, exactement. Alors, j'ai une autre question pour vous également, bien sûr. La place de l'échographie pulmonaire, est-ce que c'est pour le radiologue, c'est pour le pneumologue? Enfin, mais bon, très secondaire, mais un petit mot sur l'échographie pulmonaire.
Voilà, on ne va pas chamailler pour ça. Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Non, l'échographie est intéressante. Nous, on utilise l'échographie beaucoup pour détecter les épanchements pleuraux, pour ponctionner les épanchements pleuraux et pour biopsier les tumeurs, parce que souvent, on a des tumeurs qui sont volumineuses et qui sont à la paroi. Donc, ces tumeurs ou des tumeurs médiastinales. Donc, on utilise beaucoup en pratique de tous les jours l'échographie pour biopsier, pour guider la biopsie. Maintenant, je ne dirai jamais que l'échographie est un bon moyen pour diagnostiquer le cancer du poumon. Non, non. C'est un mauvais examen pour le diagnostic du cancer du poumon. Je dirais comme ça. Maintenant, quand on sait qu'il y a un cancer du poumon, on peut s'aider de ça pour quand faire un repérage, exact, et biopsier. Quand il y en a, tout à fait, tout à fait. Alors, une autre question. Désolé, Simzienne, mais c'est un truc pour la madame Bina. Alors, je suis vraiment désolé. Mais de toute façon, c'est un atelier radiologique, mais j'ai mon mot à dire. Alors, est-ce que sur le compte-rendu de la TDM thoracique doit figurer systématiquement la classification TNM, madame Bina? Monsieur Mzienne, à vous de répondre. En fait, madame Bina, la question. C'est pas lui qui fait les comprendre. Pardon, madame Bina, c'est la question. Comme quoi, c'est-à-dire, est-ce que le médecin radiologue, disons, c'est pas tellement le droit, est-ce qu'il a commencé à parler de TNM alors que l'histologie n'est pas encore là? C'est-à-dire, on n'a pas encore cancer qui est confirmé, quoique les images évocatrices, est-ce qu'on peut parler de la TNM? C'est surtout ça, c'est pour ça la question. Et qu'est-ce que tu dis? Ben oui, mais par exemple, quand on voit quelqu'un... Oui, je vous entends très bien, je vous ai bien compris. Mais quand on voit un malade, par exemple, qui a un diagnostic, mais pour un bilan d'extension, il faut que le radiologue nous réponde, voilà, la question de TNM, quoi. Ne pas se contenter de dire, ben voilà, il y a une adénopathie, il y a une tumeur, il y a etc. Et ça. Ça serait bien qu'il s'implique également dans la classification, quoi. Et c'est le rôle, d'ailleurs, elle l'a dit, madame Bina, dans le rôle de la RCP. Pardon, madame Bina, quoique c'est contesté. Il y a certaines équipes qui contestent comme quoi de parler de TNM avant d'avoir l'histologie. Quoique les images restent évocatrices. Oui, mais... Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a effectivement des gens qui contestent qu'on parle de cancer alors qu'on n'a pas encore l'histologie. Maintenant, parfois, on va avoir l'histologie que le jour de la chirurgie. Ça, vous le savez très bien. Et donc, moi, je me dis qu'on ne fait pas assez bien notre travail si on décrit la lésion, on vous dit tout ce qu'il y a et après on ne vous dit pas le TNM. Je me dis qu'on peut s'impliquer. Moi, ce que j'écris, c'est aspect d'un processus d'allure tumorale pouvant être classé et à confronter aux données de l'histologie. Et là, je vous aurais fait le travail à l'avance. Et puis après, si je me trompe et que c'est une tuberculose, ben, j'aurais pris le risque, ce n'est pas grave, de me tromper. C'est mieux que vous me renvoyez le patient par la suite pour le classer. Je pense que j'anticipe, c'est vrai, mais c'est pour faire les choses une fois pour toutes et ne pas avoir à refaire cette stadification à la RCP ou autre. C'est la première fois qu'on voit bien l'examen. Vous voyez, quand on veut interpréter, c'est là qu'on cherche tous les éléments. Et donc, c'est là qu'on peut être vraiment formel sur ce qu'on dit. À la RCP, on ne voit pas toutes les images, on voit, et donc, c'est un point de vue. Moi, je classe. Très bien, très bien. Mais moi, j'ai un souhait. Ne pensez-vous pas que le pneumologue doit s'accaparer quand même la TDM thoracique? Ne fait-il pas partie quand même aussi, même dans les conclusions du radiologue, ne doit-il pas se concerter avec le radiologue? Parce qu'il est quand même le spécialiste de l'organe et il doit avoir aussi, il doit maîtriser également les éléments de radio et de tomodensitométrie thoracique. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne va pas vous mettre à votre place, mais... Non. Moi, je me dis que... Je dis, je, 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 je,
la vérité, ce n'est même pas le but de dire c'est ma place ou c'est pas ma place ou c'est ma spécialité. Ou... Je dis que celui qui sait bien faire, il doit faire, c'est tout. C'est-à-dire que si le pneumologue sent qu'il est apte, il y a des pneumologues qui sont plus, donc qui connaissent bien et d'autres qui connaissent moins. Et la discussion lors de la RCP, c'est une discussion de « non, regarde, il y a un nodule ici que tu n'as pas vu, regarde ». Et ça ne gêne pas, on se concerte. Vous pouvez lire le compte rendu, regarder les images et discuter par la suite. Et dire, par exemple, non, je ne suis pas d'accord, l'envahissement de l'artère pulmonaire n'est pas tellement... C'est ce qu'on fait, par exemple, avec les chirurgiens. Vous avez classé T4, mais finalement, non, on peut passer, donc ce n'est pas tellement un T4. Et on peut se remettre en question lors de la RCP. C'est justement le but de la RCP. Et c'est pour ça que j'invite vivement les confrères pneumologues à quand même se pencher sur la TDM thoracique, parce que ne serait-ce que pour lire le compte-rendu. Vous voyez, je pense que c'est important. C'est important pour que le pneumologue quand même maîtrise cet outil-là. Et ça aide, bien sûr, pour faire avancer les choses. Je peux ajouter, je peux même ajouter, je pense que c'est d'accord. Bien sûr, vas-y. On devrait, non seulement le compte-rendu, mais également on devrait avoir le CD donc de la séquence. C'est très instructif. Oui. Alors, bien sûr, à cette occasion, je vous dis qu'il y a, pour ceux qui ont Apple, il y a Osiris qui est gratuit et qui permet bien sûr de faire le MIP et le mini-MIP, etc. Et pour ceux qui n'ont pas l'Apple sur le PC ordinaire, il y a Radiant, qui c'est aussi un logiciel de lecture de CD. Voilà. PC. Voilà. PC, exact. Mais il faut le renouveler à chaque fois. Il est gratuit, mais il faut le renouveler à chaque fois. Alors, je vois qu'il y a une question concernant une question, si vous voulez, madame. Oui. Cellules. Oui. Il y a quelqu'un qui a tout posé une question concernant les carcinomas petites cellules. Alors, cette stratification. Vous voulez savoir comment elle est classée? Voilà. Oui. Cette stratification TNM, la dernière, elle concerne aussi les carcinomas petites cellules. Donc, on peut l'utiliser aussi pour les carcinomas petites cellules. On ne parle plus uniquement de localiser ou disséminer. On fait la stadification TNM, ce qui n'était pas le cas pour les versions anciennes. On ne fait pas de différence entre les types histologiques. Justement, c'est pour ça qu'on ose un peu plus, nous, faire la TNM sans attendre le type histologique. Alors, il y a une autre question concernant la femme enceinte, le bilan chez la femme enceinte. Comment vous faites? Cancer du poumon chez femme enceinte, honnêtement, exceptionnellement, j'ai vu ça. Je réfléchis, je vois si on a vu ça. On a eu d'autres cancers, surtout ORL. Chez la femme enceinte, on peut s'aider de... Bon, ça dépend de l'âge de la grossesse. Si c'est le dernier trimestre, on peut quand même faire un scanner en protégeant l'abdomen. Mais si c'est les premiers mois de grossesse, on évite. Donc, tout dépend aussi comment on a fait le diagnostic de ce cancer du poumon déjà d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a eu un radiothorax déjà. Honnêtement, je n'ai pas de réponse et c'est vraiment une discussion avec les gynécos, avec s'il faut interrompre la grossesse, si c'est quelque chose d'accessible, on peut faire une biopsie transpariétale et en échographie, si ce n'est pas accessible, c'est à gérer au cas par cas s'il faut interrompre la grossesse ou pas. Il faut aussi s'attendre à un traitement par la suite, une chimiothérapie qui ne va pas être... administré chez une femme enceinte. Donc, effectivement, parce que c'est un cas de figure. C'est un cas de figure qui est exceptionnel, qui n'est pas fréquent, heureusement. Et je pense ici, donc, c'est la première imagerie qui a fait le diagnostic. La première imagerie, autant essayer de réduire les radiations ionisantes, ça dépend de l'âge de grossesse. Mais je pense qu'en RCP, en incluant le médecin gynéco-obstétricien,
c'est un élément important pour la décision. Oui, et malheureusement, le pronostic est lié à la tumeur dans ce cas-là, puisque la grossesse elle est très secondaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, une autre question concernant la condensation nodulaire. Est-ce que ça nécessite une exploration histologique, Madame Benin? Condensation? Condensation nodulaire. Bon, pour faire simple et court, un nodule, par exemple, un nodule, comment vous gérez un nodule? C'est-à-dire, est-ce qu'on le suit? À quelle taille il faut le ponctionner? Et à quelle fréquence éventuellement, si on le suit, à quelle fréquence on le suit? Là, c'est tout un cours. C'est tout un cours, le nodule pulmonaire. Vous voyez? Ah oui, c'est le nodule, c'est le cours. Voilà, c'est le cours du nodule pulmonaire, tout à fait. Alors, c'est tout un cours. Mais ça, vous nous résumez ça rapidement. Alors, ça dépend des facteurs de risque déjà chez le patient. C'est-à-dire que quand on découvre un nodule, c'est ce qu'on appelle nous un incidentalum, un nodule qui a été découvert sur un scanner qui a été fait pour autre chose. D'accord? Donc, ça dépend de la taille du nodule, ça dépend de ses contours, ça dépend de sa densité, ça dépend de la présence ou non d'un scanner initial pour pouvoir vérifier une augmentation de taille. Ça dépend de... Donc, quand on a des critères de bénignité qui sont actuellement connus, l'aspect de ganglion intrapulmonaire, le granulum calcifié ou la marteau-chondrome, on peut se dire que ce sont des nodules bénins. Et on arrête toute surveillance et on ne fait absolument rien. D'accord? On peut parfois proposer la marteau-chondrome par acquis de conscience à une chirurgie, mais en général, si on est sûr en radiologie, on ne fait absolument rien. Maintenant, quand c'est un nodule qui est typiquement malin, c'est-à-dire contour irrégulier, spiculé, présence de cavitation, présence d'excavation, présence de bronchogramme, nodule solide et mixte et envers dépoli, tout ça, c'est un nodule là où on va démarrer un bilan d'extension où on va le présenter au chirurgien pour se faire opérer quand il mesure plus de 1 cm. Le reste, c'est des nodules indéterminés. Et donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de les surveiller parce qu'on n'a pas assez de critères ni en faveur de bénignité ni de malignité. Donc, on va les surveiller. Il y a des schémas de surveillance en fonction de la taille des nodules. Donc, c'est un nodule qui, quand il mesure plus de 8 mm, c'est 6 mois à 1 an. Et puis, par la suite, s'il n'y a pas de changement au bout de 2 ans, il faut espacer. Et quand c'est des nodules envers des polis, on va guetter à la fois l'augmentation de volume, mais aussi la présence, l'apparition d'une zone de condensation au sein de ce nodule. Et il faut ces nodules envers des poulies les surveiller vraiment pendant longtemps, mais en même temps espacer les surveillances, parce que ce sont des nodules qui sont d'évolution très, très lente, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, qui peuvent doubler parfois de taille en 8-10 ans, et donc il faut les surveiller pendant longtemps. Voilà, pour résumer. Oui, je pourrais également ajouter, Madame Benet, effectivement, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, il y a des recommandations, c'est certes, donc dans la recommandation de Flessner, donc l'ATS, et ce qui a été dit également tout à l'heure par Professeur Badon dans sa présentation dans la session du concert, et si effectivement il y a une différence entre un nodule qui est isolé, des nodules multiples, il y a une différence, c'est dans la France. Tout à fait. Et si je pense également à l'apport de PET scan dans les cas suspects, le cas suspect de malignité, et le PET scan peut apporter, associé à la TDM, peut apporter un plus. Ouais. Très bien. Alors, il y a une autre question concernant le dépistage. Un petit mot, Madame Bénin, sur le dépistage. Oui. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que low dose, c'est low price? Non, ça, oui, ça pourrait être. Il y a une étude qui est très ancienne que j'ai présentée tout à l'heure. C'est très ancien, ça fait une dizaine d'années, qui montre effectivement l'apport donc dans des campagnes de dépistage par de la radiographie thoracique ou bien par la TDM low dose, qui effectivement dont l'apport est assez important. C'est important. Oui, c'est indiscutable. Dans notre contexte pneumologique, est-ce qu'on fait assez de TDM pour nos malades annuellement, pour les malades qui sont gros tabagiques et qui sont des bronchopathies chroniques obstructives? On ne les fait pas dans le cadre de la pathologie courante. On devrait les faire. Tout à fait. Mais voilà, mais il y a aussi le coût. C'est pour ça que je me suis permis de dire low dose, low price. C'est pour ça.
C'est pas évident, hein, quand même. Logiquement, en fait, il n'y a pas de facturation low dose maintenant parce que ça n'existe pas, tout simplement, parce que ça n'existe pas. Mais logiquement, dans les cabinets privés, par exemple, ça devrait être moins cher, déjà parce qu'il n'y a pas d'injection de produits de contraste. Et ça peut être négocié, ça peut être discuté, c'est-à-dire que puisque ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, dans les habitudes, personne ne s'est soucié de ça et personne n'a demandé ça. Mais je pense que ça doit arriver et ça va arriver. Et il faudrait effectivement, pour pouvoir faire un dépistage, avoir un tarif de scanner low dose qui va encourager les gens à se faire dépister, encourager les médecins à demander le scanner pour dépistage. Maintenant, pour revenir au dépistage, c'est un sujet qui m'est très cher et que j'avais même préparer une présentation, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Et donc, je vais saisir l'occasion pour en parler sans la présenter. Et effectivement, il y a eu l'étude NLST qui avait montré que le scanner avait été beaucoup mieux que la radiographie thoracique. Et du coup, moi, j'ose dire maintenant, c'est vrai que vous, pneumologue, vous aimez beaucoup la radiographie thoracique, mais moi, je dis que quand on a des symptômes cliniques, c'est un peu justifié de demander une radiographie thoracique, mais quand on n'a pas de symptômes, ça ne sert peut-être à rien de demander une radiographie thoracique. Il faut à ce moment-là aller directement vers le scanner. Parce que la radiographie thoracique va être juste faussement rassurante. Et donc, elle peut rassurer facilement le patient et le médecin et ne pas demander par la suite ce scanner de dépistage qui a prouvé son efficacité maintenant. Le scanner low dose, il a prouvé son efficacité pour la détection des nodules qui peuvent être des cancers et donc il a prouvé une réduction de la mortalité qui va jusqu'à 25% maintenant sur l'étude Nelson. Et donc, la radio, oui, j'insiste, la radio, oui, quand on a des symptômes, quand on a des suspicions d'infection, de bronchopneumonie chronique obstructive, d'emphysème, d'autres choses, c'est votre spécialité. Mais quand c'est un patient qui n'a rien et qui est juste tabagique et chez qui vous voulez dépister le cancer, je pense qu'il est justifié de passer directement par le scanner. C'est vrai, Mme Bernard, vous avez raison. Les malades, pardon, c'est ce que je dis, la plupart des malades qui viennent, aussi bien consultation privée que hospitalière, ils viennent, ils n'ont pas de symptômes. Ils disent comme quoi je viens annuellement pour faire une radio. C'est moi-là, effectivement, qui est un thoracique qui est le mieux placé. Mais à condition qu'il arrête de fumer. Donc, et s'il a lutte anti-tabac, le sevrage tabagique est primordial. C'est notre devoir vis-à-vis de nos malades et de la communauté. Le dépistage, c'est pour ça que le dépistage, en fait, devrait être associé à des consultations de sevrage tabagique. Oui. Pneumologue, je pense que vos malades, excusez-moi, mais vos malades ne sont pas de très bons candidats pour le dépistage parce qu'ils sont déjà. Ils ont déjà une maladie pulmonaire. Par contre, les patients qui veulent se faire sevrer et qui n'ont pas d'autres atteintes thoraciques, par exemple, ils ont plus de chances d'être sevrés et d'être dépistés et d'être guéris une fois traités. Moi, je veux saisir à l'occasion, Madame Benna, si vous permettez, vous n'allez pas me contredire. Il faut arrêter avec ce dogme avec lequel nous, on a été quand même élevés, de dire qu'une anomalie radiologique est tuberculose jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et ça, c'est vraiment, ça fait un tort pas possible pour le retard diagnostique. Et je saisis l'occasion, notamment au niveau des pleurésies. Moi, j'ai vu des pleurésies traitées comme étant tuberculose, alors que c'était des néos, malheureusement, après 3-4 mois de retard de diagnostic. Il faudrait quand même que vous, bien sûr, et les enseignants, fasse passer un peu ce message-là qui n'est plus le même il y a une vingtaine d'années. Maintenant, le cancer, malheureusement, prend plus de place et donc une anomalie radiologique n'est pas forcément une tuberculose qui a preuve du contraire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Benna. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et je saisis l'occasion de parler d'un autre problème qui est maintenant d'actualité. Le cancer du poumon est très fréquent
Et maintenant, il devient très fréquent chez les femmes non tabagiques. Donc là aussi, une anomalie pulmonaire détectée chez une femme ne devrait pas nous laisser indifférents. On ne devrait pas se dire non, c'est une femme, ça ne peut pas être un cancer du poumon, elle n'a jamais fumé. On commence à avoir beaucoup de cancers. Merci, exactement, exactement. Elles n'ont jamais fumé et elles ont beaucoup de chances de se faire traiter à temps parce que justement, on peut les détecter. Il y a des femmes qui sont suivies, par exemple, pour cancer du sein et chez qui on découvre un cancer du poumon. Ce n'est pas une métastase, mais un cancer du poumon primitif. Donc, la COVID a fait découvrir aussi des cancers du poumon chez la femme non tabagique. Donc, il faut arrêter aussi de se dire, quand on était jeune étudiant, non, c'est une femme, elle n'a pas fumé, ça ne peut pas être un cancer, c'est autre chose, c'est une sarcoïdose, c'est quelque chose d'autre. Il faut penser au cancer chez la femme. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a un peu moins de questions, mais voilà, quelques bien sûr remarques. Toute anomalie radiologique, bien sûr, doit susciter quand même un scanner. Dans la mesure du possible, bien sûr. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'extrême, mais toute anomalie radiologique qui persiste, notamment après un traitement antibiotique, ne serait-ce que d'une semaine ou de 10 jours, doit solliciter quand même un scanner thoracique. Et ça doit être quand même inscrit dans l'esprit des gens. C'est très important si on veut un diagnostic précoce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Benna. Je laisserai professeur Bézienne parler un peu. À vrai dire, il faut le dire aux gens, mais également le dire à nous-mêmes. C'est-à-dire dans nos recommandations, c'est le conseil pour nous, on devrait l'inscrire. Tout à fait. C'est pour nous qu'on le dit. Voilà. Il y a une question qui a été posée par Mme Benna. Donc, elle dit à partir de quel âge de dépistage? Moi, je dirais, c'est-à-dire un sujet tabagique, à partir de la quarantaine, comme on disait avant, mais même avant, il faut faire le dépistage. Surtout, donc, comme vous l'avez dit, autant l'inscrire dans le cadre d'un aide aux surveillances tabagiques et à ce moment-là également s'inscrire dans le dépistage annuel. Je ne sais pas ce que vous pensez, Madame Dumas. Pour compléter, alors l'étude, la première étude qui a été faite, l'étude américaine, elle avait ciblé les patients de 50 ans et plus, jusqu'à 70 ans. Oui. L'étude Nelson, elle a commencé à partir de 45 ans. Je pense que chez nous, au Maroc, on a une population jeune. Jeune, oui. Donc, il faudrait commencer justement au moins à 45 ans. Chez des patients qui ont fumé, au moins 15 ans, oui. Ou alors 15 ans, ou qui ont été sevrés en moins, c'est-à-dire durée de sevrage de moins de 10 ans. Donc, bien sûr, chaque fois que c'est des gens qui ont eu une exposition au tabac qui est plus de 25 ans ou plus, ils sont plus exposés que les, vous savez ça mieux que moi, que c'est la durée d'exposition qui est plus importante que la quantité de tabac fumé. Et voilà, les patients, les sujets, parce que ce n'est pas des patients, les sujets devraient être en bonne santé, c'est-à-dire ne pas avoir de maladie grave, parce que ça ne sert à rien de dépister des gens qui ont une maladie cardiaque ou un autre cancer ou autre chose grave qui va réduire les chances de survie. Et puis, c'est des sujets chez qui il faut faire le scanner en dehors de tout épisode d'infection pulmonaire. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vos patients ne sont pas toujours les bons candidats, c'est-à-dire qu'il faut les prendre plutôt dans les consultations de sevrage ou alors des patients qui viennent à la fin de leur épisode infectieux et à la fin de leur exacerbation. Et bien sûr, le dépistage, ça concerne tout le monde, ça concerne les médecins généralistes, il ne faut pas attendre que le sujet aille chez le pneumologue pour qu'il soit adressé au dépistage. Ça concerne tout le monde, ça concerne les gens qui sont un peu angoissés parce qu'ils ont fumé et qui veulent chercher s'ils ont. Et il faudrait que ça commence de manière individuelle, puisque pour l'instant, le dépistage de manière globale, il est un peu difficile à
c'est un peu tôt à notre pays. Pour la société, mais on peut commencer de manière individuelle. Chacun dans son cabinet peut commencer à faire des scanners chez des patients en précisant qu'il faut, en étudiant les critères d'éligibilité de ces sujets. Très bien. Merci, Madame Benna. Merci, professeur Mziane. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, bien sûr. Là, on a respecté le temps. On est à pile poil dans les temps. Et merci encore à la SMMR, bien sûr, de nous avoir permis cette opportunité de parler de la TDM thoracique dans le cancer. Bonne soirée à tous et bye bye. C'est Afif, si vous voulez un mot de compliment. Merci la SMMR de m'avoir invité, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et je remercie professeur Mziane, ça a été un plaisir de partager cet atelier avec vous. Je vous remercie docteur Stouli pour votre belle modération et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. C'est Afif, un petit mot. Moi, Hicham, c'est Afif. Je ne peux pas.